Regardez, vous avez l'habitude de voir mon personnage, il est blanc. Et là, je suis noir. Putain, c'est fou. Ouais. J'étais sûr que t'étais blanc. Voilà, ouais, Laurent, on y va. Allez, Laurent, on y va. Allez, Laurent, on y va. Fils de pute, va. On parle là. C'est vraiment que vous parlez là. Pardon. Pardon, pardon, vraiment. Aïe. Aïe, non. En aide. Wow. Ah merde. Ah ouais. Ah ouais. Je suis marqué celle-là. En Angleterre, on baisse par terre. La 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 la. Si vraiment il y a un dinguerie comme ça, vous dites en radio, est-ce qu'il y a de la pour la personne qui est. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu comment elle parle? Allez, super, allez, allez. On en fait des kilomètres pour une meuf, hein, c'est ouf, hein. Ah putain, on en fait des kilomètres pour une meuf, hein. Le mec a pas de répartie. C'est la dernière fois qu'on me parle comme ça, par contre. Partout, je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon, faut charbonner pour faire un tas de sous. Hey, je veux que ma mère soit fière de moi. Allez, toi, sur le côté, sur le côté. Mais c'est moi, c'est moi. Ah putain, 113. Ça va? T'es con. Pourquoi? T'es censé représenter la loi et tu conduis comme ça? Bah je conduis comment? Avec une casquette. Ouais. Ouh, 113 ce soir pour le test, je vous sens pas vous. Quel test, quel test? Ce soir il y a un test, je vous reconvoque en radio tous les rookies. D'accord, ça marche. Merci. Bonjour chef. Déjà c'est pas bonjour, c'est mes respects. Pour commencer c'est capitaine, c'est pas chef. D'accord. Remettez votre casquette. Déjà en charge, c'est 3 tours de PDP. Bah 113, j'ai été recruté hier. Je suis très bien, est-ce que vous pouvez faire 3 tours de PDP aussi rapidement? Avec les autres, vous êtes en retard. Bien sûr. Allez. S'il vous plaît. Bon, tu comptes arriver en retard tous les soirs, toi? C'est à quelle heure qu'il faut qu'on arrive? 21h15. 21h15. Sinon, à chaque fois que t'arrives, tu feras 3 tours du PDP. Je compte arriver en retard. Je compte arriver en retard tous les soirs, chef. On trouvera une excuse, on fera un tour à faire un truc quand tu seras en retard. 3 tours de terrain, c'est pas assez pour toi. Tu vas commencer à être endurant et ça me fait chier. Vraiment. Oui. Donc je vais t'en faire baver, vraiment. Oui. S'il faut que tu passes la soirée à nettoyer des véhicules dans toute la ville, tu feras ça. Je suis désolé chef, j'ai le réveil lourd. Pas de soucis, t'aideras aussi les petites mémés à traverser le petit chemin, tu sais les petits trucs là, les passages. Oui, les passages piétons, je le ferai avec grand plaisir. Passages piétons pour les enfants qui vont à l'école. C'est une balafre ou des boutons? Mémé, cicatrice. Vous avez fait quoi chef? Un accident d'Aiko. Ah mince, ça va? Un mec en jaune qui savait pas conduire. Un mec en jaune qui savait pas conduire, d'accord. Ouais. Du coup, t'as raté le dispatch. Du oui. coup, je vais voir avec le capitaine ce qu'on te fait faire à toi. Oui. Parce que le dispatcher est occupé à former des nouveaux. Donc oui. Viens avec moi, on va aller voir le capitaine. À vos ordres. Est-ce que je peux avoir un gilet pare-balles? Un gilet pare-balles, pas pour le moment, parce qu'on n'est pas en code rouge. D'accord, mais je trouve que ça, c'est stylé, c'est pour ça que je voulais... Avoir un pare-couteau, autrement. Hein? Un quoi? Un pare-couteau. C'est quoi un pare-couteau? C'est comme un gilet pare-balles, sauf que au lieu que ça soit du Kevlar, c'est... Oui, je veux bien. Autre chose. Je veux bien. On trouvera ça. Attends le capitaine devant et le bureau. Et je pourrais avoir une shirt à manches longues? Shirt à manches longues? Oui. Pourquoi? Des fois, en été, tu vas avoir chaud. Non, j'ai froid, je suis frileux. Frileux? Oui. Bah écoute, tu vas au tailleur et tu demandes un t-shirt à manches longues. D'accord, et je pourrais changer mes godasses? Tu veux? J'ai les pieds plats, ça fait mal aux chevilles. Ça viendra, attendez, on a fait les recrutements. C'est des chaussures de sécurité, ça me va. D'accord, merci chef. Pas de marque, pas de Nike. Je te dis direct. New Balance? New Balance si tu veux, mais c'est le bout à l'avant, il est renforcé. D'accord. Ça, des chaussures de sécurité. Excusez-moi, monsieur. Faites quoi, torse nu, vous? Excusez-moi, encore un ivrogne. Écoute. Encore un ivrogne. on m'a dit de passer montrer mon permis de conduire. Et arrange ton taser, toi. C'est un ordre? Donne un ordre, là? Non. Allez, qu'on fasse vite, montrez-moi votre permis de conduire. Tenez. Votre carte d'identité également pour vérifier si le nom et le prénom est correct. Ah, je l'ai pas sur moi, monsieur. Et pourquoi il a un poil? Vous allez à la mairie. Tant que vous n'êtes pas allé à la mairie chercher votre truc, votre permis n'est pas valable. Pourquoi il est à poil? Parce que j'ai chaud, monsieur. Je vous mens pas, monsieur, là, j'ai pas de voiture. Il me faudrait ma voiture au moins pour y aller. Vous comprenez? Appelez des taxis, il y a des taxis, on dit. Pas fait pour rien. Oh là là, vas-y. Et va t'habiller, clochard. Oui. Bonjour, les jeunes. Il y a mon pote, il s'est fait racketter son skateboard, monsieur. Ouais. Et bah du coup on vient parce que mon pote il a perdu son skateboard et il y a encore des gens qui ont essayé de me racketter tout à l'heure. Je vais péter un câble, c'est une victime ou quoi? Bah ouais, mais on est grave des victimes là. Mais arrête, mais non, je suis pas une victime. Bah te laisse pas faire, fallait lui mettre un coup de skate. Maintenant tu viens au commissariat, tu chiales. Tu crois ça marche comme ça? Faut que tu... Mais non. Attends. Mais j'ai rien fait. Non. Se faire racketter. Oh. Tu portes tes couilles. Tu prends le skate, tu lui mets... Mais j'en ai pas joué, moi. Mais pas toi.
Tu prends, aussi, tu prends le skate, non, non, tu prends le skate, tu lui fous dans la tête. Mais oui, mais il m'a frappé, il avait plus de force que moi. Il t'a frappé. Bah sois plus malin s'il a plus de force. Mais je fais quoi, moi je suis... Tu tapes dans les roubignoles, mon poste. Tu tapes dans les couilles. T'as volé ton skate, tu sais à quoi il ressemble. Oui, je sais un peu. Écoute, écoute, t'as vu, tu vas récupérer le mec, tu cherches ton point. Tu vas trouver le mec, tu cherches ton point, tu tapes dans les couilles de toutes tes forces. Moi tout seul. Bien sûr, toi tout seul. Allô, mon pote. Oui, mais c'est dur, c'est pas facile. Non. Il faut que tu crois en toi, faut que t'aies confiance. Mais oui, mais moi, en fait... Allez, dégage. Mais dégage. Je vais vous expliquer. Dégage. Monsieur va porter plainte avec les gens. Non, il va pas porter plainte. Il va pas. Il peut, mais il a plus envie de porter plainte. Il va. Bah si, il a envie. Regarde. Revenez aux besoins. Il est en train de chialer. Non. Il va trouver le mec. Il va récupérer son skateboard, monsieur. Hein. Ouais. Mais comment on retrouve si on sait pas où il est ? Il va y arriver. Il y a des épaules, là. C'est bon ? Genre ça c'est un flic de merde en fait. Quoi ? Pardon ? Oula, j'aurais pas tenté celle-là. Arrête. Au moment, madame, vous êtes dans mon PDP, donc ce que je vais vous demander de faire, c'est de sortir si vous en avez rien à voir. Et pas dans son cul. Sortez, flic de merde, vous allez dehors. Ouais. Mais c'est lui le flic de merde. Arrête, ça dit, arrête. Sortez. C'est bon, il essaie de gentil. Il a raison, voilà. Comme ma sœur, je dois m'endurcir. Voilà, exactement. T'endures pas, c'est le collègue de. Coucou Malcolm, ça va ou quoi? Putain, va frapper des gangsters. Oui, ça va, je suis au PDP, t'es où toi? Là j'ai volé une voiture, j'arrive. Ça marche, mais vas-y, je t'attends au PDP, mon frérot. 113. Oui. T'as un téléphone? Oui. T'as un putain de téléphone. J'ai pas de crédit. T'as pas de crédit? Enfin, j'ai du crédit, mais ça coûte cher. Tu sais que ça fait partie de ton salaire, ton téléphone. Non mais j'ai pas encore reçu mon salaire, je travaille depuis hier. Ah c'est vrai, ça balance dans le lieutenant, le salaire. Tiens. Tu vas faire quoi, tu vas me donner mon salaire? Ça va le faire, ton salaire, c'est une subvention qu'on a donné tout à l'heure. Non, c'est trop. C'est pas trop. Vous avez donné ça quand? J'ai donné ça tout à l'heure. À qui? À tout le monde? J'ai pas eu ma subvention. Ah ouais, c'est pas... Vous, dégagez, siffleur. On m'a dit que vous étiez déjà un agent, c'est les rookies qui ont eu ça. Putain. Malcolm, viens vite, il y a une subvention de 1500$. Tango 87. J'arrive, je roule à 230 là! Clé radio, une dernière fois. C'est un blâme. Vous commencez très mal tous les deux. Hein. Oui, pardon, chef. La radio, c'est pas un téléphone. Si vous voulez vous transmettre des informations comme ça, vous passez par. En fait, c'est grave pratique. J'ai juste à mettre ma main sur mon épaule comme ouais, ça. C'est pratique. Et après, c'est bon. Ouais, c'est pratique. Mais le téléphone, c'est fait pour ça. Mais le téléphone, je dois prendre mon téléphone. Je dois déverrouiller, chercher dans mes contacts, Malcolm, l'appeler, attendre qu'il réponde, allô, ouais, machin, on donne l'information, après on raccroche, je range mon téléphone. Alors que là, regarde, Malcolm, ça va ou quoi? Là, je suis agressif depuis. Là, je comprends. T'as vu? C'est direct, tac. Et vous venez quoi? J'arrive. Capitaine. Donc, comme prescription, évitez de manger du coup des chattes tous les jours, d'accord? Je suis là. Enlève ton t-shirt et remets ton t-shirt. En plus, c'était une agent d'ici, bref. T'es trop moche. Non, t'es trop moche. T'as aussi. Oui, dis-moi. T'as aussi de trop mal. Attends, c'est bon là? Oui. Bah là, c'est trop moche. Mettez un truc sur votre visage. Oh, c'est bon. Attends, j'essaye-moi. Oui, du coup, vous avez dit, c'est quoi votre matricule? 113. 113. 113, c'est ça? D'accord. Très, très vous avez bien. Du mascara? Oui. Non, pas le moins du monde. D'accord. Du coup, apparemment, vous jouez avec la radio? Non, pas du tout. Je m'en sers pour communiquer. D'accord, parce que sinon, je vais vous faire une proposition super sympa. Dites-moi. Une évolution dans votre carrière incroyable. Je vous offre une radio et en fait vous allez être du coup renvoyé du LSP, mais c'est un petit détail de voilà. Juste vite fait comme ça, vous voyez. Ah non. Et du coup vous aurez votre propre radio, vous voyez. Ah non, je veux pas. Bonjour capitaine. T'as vu le capitaine, il met du mascara. Mais respect, bonjour capitaine. Mais respect, bonjour lieutenant. Attendez, mais vous venez d'arriver en retard. Faites 3 tours du PDP. Il a de l'eyeliner comme l'Undertaker. Mais pas de l'eyeliner. Merci PBX. Comme le Undertaker. Merci bébé. On m'a pas dit qu'il y avait une heure. Tu dépêches ou je te tire par les couilles pour le faire? En courant, j'ai dit. Bon, on part en patrouille ou c'est comment du coup? Il y a le patron du business qui veut. Ah oui, pardon. Oh oui, pardon, je vous avais oublié. Attends, on est niveau 3. Mais attends, mais quoi, Pépix? Je sors de sortir dehors avec. Mais je cours vite. Ah mais c'est les dire 3 qu'il a offert. Mais je demande à Riz, je cours vite ou pas? C'est une fusée, Malcolm. Mais là, ça veut dire que je dois en faire 6. Mais wesh, merci okay, PBX, merci mon ref. Comment vous appelez déjà? Zay. Comme le mec de One Direction. On fait quoi aujourd'hui? Les 4, ouais, avec le capitaine. Avec le on attend juste que le capitaine arrive et on va faire. Non, on pas avec le capitaine, pourquoi? Si, vous allez patrouiller avec le capitaine. Pourquoi? On a fait des saisies de bœufs ou pas, lieutenant? Pourquoi? Bah pour savoir. Ouais, je crois qu'on doit voir ça, pourquoi? D'accord, bah quand vous voulez. Ça, je vois. Vous êtes en retard, vous? Ouais. Entendu PDP, maintenant en courant.
Et tu te dépêches ouais. En courant. Ah, vous avez pas dit en courant. Très bien, très bien. D'ici. Allez, tu cours là. Allez, cours, cours. Cours, dépêche-toi, dépêche-toi. Je suis bon, hein. Ouais, il y a de l'idée, ouais. Tu vises quoi là, toi, au plus haut? Je sais pas moi. Riz, regarde! Waouh! Tu vas vite redéposer ça. Tu peux pas avoir un mandat d'arrêt sur la gueule, tu redéposes ça. Tu as trouvé ça où? T'as pas saisi. On n'a pas le droit? Ouais. Tu vas poser toi. Va poser ta mise, Malcolm, ta mise, mon frère. Va poser ta mère. Lieutenant, s'il te plaît. Malcolm, là, t'as abusé! T'as abusé le baiser! Mais non, mais je voulais juste montrer! C'est grave! Oui! C'est moi, il y en a un qui... Je souhaitais m'excuser auprès du lieutenant. Ouais, vous avez redéposé le scorpion? Oui. Bah, vous refaites 3 tours du PDP. Et il va vous suivre. Tu me transfères à la MC. Très bien, très bien. Comme tu vas le suivre. Je vais où? Avec lui, tu vérifies qu'il fait bien les 3 tours. D'accord, je peux les patrouiller? Juste après l'interview, on arrive. D'accord. Riz, lui aussi il ressemble à Hama. C'est vraiment pas très gentil de vous manquer de moi comme ça tout le temps. C'est bon, j'ai fini. C'est le cap de lieutenant. Et vous savez quoi? Vous demandez en radio des dispatchs. Il y a pas une autre pièce un peu plus loin. Bonjour. Et puis vous voyez avec les dispatchs. On arrive juste. Est-ce que vous pouvez mettre un t-shirt pour voir si vous êtes belle ou pas? Est-ce que je peux faire mon interview au truc? Oui. Est-ce que vous pouvez enlever votre t-shirt et remettre votre t-shirt? Mais pourquoi vous me demandez ça? Parce que vous êtes moche. En fait, je crois on est trop. En fait, le commissariat, genre la zone, ça fait ça. Ça veut dire que là, il y a plein de joueurs ici. Il y a plein de joueurs là, plus plein de joueurs ici. Et du coup, ça fait qu'elle bug des visages. Ouais, on va pas se rendre exactement. Ah ouais. En tout cas, sachez-le. Ah, bah c'est pareil. Bonjour madame. Je vous dis que depuis qu'on a été. C'est pareil pour moi. Bizarre, je vous vois dégueulasse. Attendez, attendez. Mmh. Vous appelez comment? Moi, c'est Ina. Tu viens d'où? Tu viens du Nord? Oui. Mais je suis arrivée il y a pas longtemps, moi je suis japonaise. Arrête. Oui. C'est super. Ina comment? Ina comment? Mais vous êtes vachement gentil. Ina Asamiya. T'as quel âge? J'ai 24 ans. Ok, ça marche. Eh ben vas-y, ben moi je dois. Je dois aller faire le dispatch là. Mais regarde. Ok, ça marche. Tiens, prends mon numéro, comme ça on se tient au courant. 24-51. Ben vas-y, salut. Ciao Ina. Qu'est-ce que c'est, ça vend tout? Genre, moi je me transforme pas en glaçon en fait. Bon! Alors putain! Ouais, en fait, t'as vu, il y a trop. Il y a un milliard de premier temps, tous vos couvre-chefs de merde, vous m'y retirez si vous voulez une belle coupe, vous faites comme moi. Bien. Riz, on t'attend, t'es où? Je suis là. Malcolm. Malcolm. Oui. T'as un avertissement pour ce soir. Pourquoi? Parce que la radio, ça sert à donner des informations. J'ai donné l'information. Je m'en branle. Okay. Je m'en branle. Okay. Bon, comme vous voyez, vous êtes beaucoup de rookies. Ça veut dire que ce test va être peut-être éliminatoire pour certains en fonction de vos réactions. Je vais vous demander de faire... Alors je vous compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20. Ok, parfait. C'est le revers de la médaille. Il y a trop de joueurs. Il va y avoir 10 groupes. Donc vous mettez en duo. Ah, moi, j'interdis. Il va falloir que je banne des gens. Les duos d'amitié. Ça veut dire que vous mettez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je vais devoir banne des gens pour de vrai, les mecs. Hein. Tout de suite, s'il vous plaît, vous faites un duo. Ou sinon, c'est moi qui les désigne, si vous préférez. Ah, et monsieur, à côté de moi, je peux me mettre avec vous. Monsieur, là. Avec les longs cheveux, je me mets avec vous. Et une fois que vous avez choisi votre duo, monsieur, avec le dreadlock, je peux me mettre avec vous? Ah, madame, je peux me mettre avec vous. Je vais me mettre avec vous. J'ai pas envie. Eh bah, super. Bon, madame, je peux me mettre avec vous? On va se mettre ensemble alors, vu qu'on s'en va. Ok, on se met ensemble. Madame, bon, vous arrêtez ce comportement le plus sauvé, bordel de merde, vous faites votre duo rapidement. Madame, à qui il est pas en duo? Moi, si vous êtes en 4, notre duo, c'est. Ok, super. 2-2. 2-2-2. Non, Riz et Malcolm. Non, on s'embrouille hier. Ce fils de pute. Voilà, pardon, excusez-moi. Je m'en fous que vous vous détestiez, s'il vous plaît. Non, mais vraiment, on s'est disputé hier, on n'est plus amis. Justification de votre embrouille. Il voulait mettre l'UFC, je voulais mettre le catch. Il a dit non. Il a dit le catch, c'est faux. Je lui ai mis une droite, on s'est battu et c'est tout. Alors, pour cet exercice, vous avez déjà une cohésion de potes. Je vais vous demander d'oublier cette cohésion. Ça veut dire qu'il va falloir que vous mettiez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, s'il vous plaît. Ok, qui veut être avec moi? Pas tous à la fois, calmez-vous, pas, s'il vous plaît. Moi aussi. S'il vous plaît, pas tous à la fois. Eh ben, je vais être obligé de faire le totem. 55, tu te mets avec Malcolm.
Et Riz, tu te mets avec celui qui était avec 55. Tu t'appelles comment? Ah, monsieur, non. Moi, oui. C'est Brad. Tu es tout seul, Rookie? Salut, 55. Ok. Non, là, moi, bah, il y aura un trio et le trio sera accompagné de celui qui est même pas encore Rookie. Il est où? Il sera jamais colocataire. Ok, mon colocataire, c'est Riz. C'est toi? Ok, d'accord. Et bah, ça va être le trio. Et tu me mets pas ta tenue, j'ai besoin de te différencier des autres. Je vous explique ce qu'on va faire. On va aller en forêt. Vous retenez bien vos duos. À chaque duo, je vais vous donner un bandana rouge. Et je vous expliquerai les règles. Sachez que cet exercice va vous permettre d'avoir une cohésion avec le duo avec lequel vous vous êtes mis. Je fais ça pour resserrer, bordel de merde, vos liens. Pour pas que quand vous passiez, officier, il y ait de la tension. Bien sûr, si j'observe un comportement de lâche et de merde, ce sera recalé du Los Santos Police Department. On vous envoie dans le nord. C'est compris? Oui, et pour les trois premiers qui auront perdu, ce sera Patrouille Vélo pour ce soir. Est-ce que c'est compris? Oui, ça te fait rire, Malcolm? J'ai pas, je crois que j'ai une tête de con là, Malcolm. J'ai une tête de con. Alors rigole pas. On n'est pas là pour tech. On va aller prendre le bus. Vous restez là, je vous donne le go. Il y a un officier qui se sent chaud de venir rouler un bus. T'as mauvaise mine. Tu peux, t'es pas chaud toi? Ouais, ouais. Ah, t'es Renoir? Oui, c'est ça. Putain, c'est fou. Ouais. C'est mieux, non? J'étais sûr que t'étais blanc. Ah ouais? Ça change rien, hein? Ouais, non, mais t'inquiète. Okay. C'est pas race là. Je passerai la. Ah, ça change rien, ça change rien. D'accord. Mais putain, je t'imaginais pas noir. Oui. Ah ouais, d'accord. Oui, dites-moi. Ok, bon ben. Pas une formation, tu passeras en vrai. Bah, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Toi, dis-moi, t'es blanc. Les petits puceaux de Rookie. Moi, je suis un peu blanc bronzé. Attends, ok, c'est bon, c'est carré. Allez, les petits puceaux de Rookie, allez. Dépêchez-vous, messieurs. Allez, mes puceaux, allez, mes puceaux, on va partir. Allez, mes puceaux, pardon. Les officiers, c'est toi qui es là avec tes cheveux. Allez. Serrez-vous, hein. Ah, parfait. Mon personnage est blanc, et là, comme vous le voyez, je suis noir. Allo, Riz? Ouais. T'es dans quel bus? Derrière. Et vous êtes dans le même. Moi aussi. Vous aussi, vous êtes dans le même. Je suis dans le même, je crois. T'es où? Ouais, vous êtes dans le même. Derrière. Ah ouais! Riz, fais gaffe, hein, tu te lis pas d'amitié avec quelqu'un d'autre, hein. Non, t'arrête. Carrément, je mange là, je les calcule même pas l'autre. Ok. Sergent, attendez, il y a encore une route. Sympa, c'est moi à côté de vous. Ouais. Riz ? Ouais. J'ai plus envie d'être flic, on fait quoi ? Bah ouais, ça marche pas comme ça la vie. Ah ok. Après, c'est une période de formation, on pouvait toujours arrêter. Hein. Après, une période de formation, on pouvait toujours arrêter. À vos souhaits. Est-ce que vous vous appelez Riz ? Non ? Voilà. J'ai plus fini de manger. Aïe! Riz, ça va? Ah, je me suis fait écraser! On va monter cette montagne dans un premier temps et après commencera l'exercice. Je vous donnerai des bandeaux et je vous expliquerai les règles. Waouh! Les officiers resteront avec moi qui sont présents. Vous allez répéter tout ce que je dis dans l'intonation que je le dis et mémoriser cette chanson. C'est une chanson de respect pour notre métier et notre pays. Est-ce que c'est compris? Oui, lieutenant! Oui, c'est compris. 10-4! 10-4. Ah, 10-4. Ah, merde. Petit papa, dis-moi où est ton arme. Petit papa, dis-moi où est ton arme. Allô? Je l'ai mangé. Allô? Ouais. Oui. Mais t'es sérieux, t'as pas enregistré mon numéro hier? Non, mais je savais que c'était toi, c'était une blague. Bizarre. T'inquiète, je suis grave blagueuse de fou, je savais que c'était toi. Ah ok. Je fais le truc des rookies là, oui, et après on part tout ensemble. T'inquiète. Vas-y, pas de soucis. Vas-y. Gardez votre or, je garde ma puissance. Gardez votre or, je garde ma puissance. C'est un devoir que tous les agents auront. C'est un devoir que tous les agents auront. Je respecterai à tout jamais la loi. Je respecterai à tout jamais la loi. Et je la ferai toujours respecter. 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 Laura, tu chantes pas. Tu chantes, Laura, allez. Est-ce que, chef, on peut se faire une petite pause, des habillages, comme ça au moins Oui, allez, bonne remarque. Merci chef, merci, ça fait plaisir. Ça fait du bien. On va chanter, maintenant, pour le reste, la chanson du tracteur, d'accord? Vous la connaissez ça? Ouais. Mais la chanson du tracteur version Los Angeles Police Department. Ouais. C'est bon, tout le monde a fait son petit truc. Affirmatif. Ouais, ouais. J'ai un short.
Bon, moi je mets que le gilet pare-balles parce qu'il fait chaud. Pas parce que je me dis ça fait trop stylé. C'est beau gosse. Non, mais regardez comme c'est beau. Et je monte dans ma voiture. La la li la la la. Et je démarre les sirènes. La la li la la la. Et je vois un innocent. La la li la la la. Faire défoncer par une victime. La la li la la la. Alors je sors ma matraque. La la li la la la. Et je mets un coup de pression. La la li la la la. Mon jeune, tu respecteras la loi. La la li la la la. Ou la matraque te tapera. La la li la la la. Voilà, vous voyez cette vue là. C'est pour ça qu'on est venu. Il y a une à droite. Ouais, je sais, c'est but, c'est but. Je suis sa sœur, vous inquiétez pas. J'ai d'expérience. Bon, vous vous mettez avec vos duos en 2-2-2-2-2 que vous avez choisi tout à l'heure, les officiers en face de moi. Laura, gueule un coup, s'il te plaît, décoince-toi Laura, confiance en soi. C'est beau, hein? Ouais, c'est incroyable. Laura, tu gueules un coup, s'il te plaît. Laura. Bah je parle depuis tout à l'heure. Hein. Oui, mais gueule un coup, je veux t'entendre gueuler là. Est-ce que tu as envie d'être agent de police? Impeccable. Oui. Ouais, mais je vais pas crier. Ouais. Bah dis-moi, oui, montre-moi, bon, c'est pas grave. Bon, c'est du beau, coup, c'est bon, vous m'écoutez tous? Vous êtes tous avec votre duo? Je vous explique mes puceaux préférés. Mes petits chevaux. Ouais. Ah, c'est... Avant de rentrer à l'écurie, vous avez passé ce test qui va vous rendre un petit peu gris. La cohésion entre vous. La cohésion entre vous. Exactement. Je vais vous donner à chacun un bandana rouge. Un bandana par duo. Vous allez descendre, vous allez vous protéger. Plus que tout. Vous avez le droit de le voler entre vous. Vous et nous, après, les officiers, on viendra pour vous le voler. Donc tous torse nus, tous torse nus. Tous les rookies torse nus pour qu'on vous différencie. Ouais, mais sérieux, moi je suis comme un dingue là, frère. Allez, allez, tous torse nus, allez. Allez, allez, on s'en fout. Allez. On est à l'aise avec son corps. On est à l'aise avec son corps ici. On aime notre corps plus que tout. Confiance en soi. Et ouais, allez, allez. Ah oh putain de merde, vous allez arrêter de me faire les geeks. Ouais, je suis sur mon ordinateur, tout ça. Waouh, là c'est la réalité à un moment donné. C'est vous, moi je vois. Ouais. Allez, allez, pas de gilet pare-balles, non. Pourquoi un gilet hein, déjà torse nu. Comment vous avez des gilets, tous vous torse nu. Confiance en soi, s'il vous plaît, confiance en soi. On va les équiper avec vos tenues, plus tard, on verra. Le comique, t'arrêtes d'être jaloux. Ah ouais, pardon. Écoutez, tous les coups sont permis pour voler les bandanas de vos collègues. Interdiction juste de sortir à arme létale et autorisation de jouer avec votre taser, mais de taser qu'une seule fois pour récupérer l'arme, pour récupérer le bandana. D'accord? Parce que c'est compris. Interdiction de plaquer. Vous allez avoir 50 secondes pour vous cacher dans tout le périmètre, ok? Interdit de descendre de ce côté-là, parce que sinon on va vous perdre, vous comprenez bien. L'exercice durera une quinzaine de minutes. Non, 20 minutes, pardon. Dans 20 minutes, on se retrouve ici, et l'équipe qui a le plus de bandanas, eh bah, non, tous ceux qui ont perdu leur bandana, patrouille vélo pour ce soir. C'est bon? Moi j'ai une question. Oui? Est-ce qu'on peut tabasser quelqu'un? Vous pouvez utiliser votre force physique, en effet. Ouais. D'autres questions? Non. T'es sûr? Oui, monsieur. Normative. Ok, très bien. Alors, je vais vous donner les bandanas. Vous êtes des chevaux. N'oubliez pas, vous êtes des chevaux de course. Un bandana pour deux? Mais putain, mais Cobra Kai, c'est quoi? C'est un animé, Cobra Kai? Je vous laisse faire vos stratégies pendant que je prépare les bandeaux. Sergent instructeur. Cobra Kai. J'écoute. On a le droit à la matraque. Privilégiez vos points que la matraque, ça fait mal. On va voler une voiture. Vous voulez pas ça? Une série Netflix? Ok, je vous donne vos duos. On en a un pour deux. Il y en a un pour deux. Donne-moi un truc. Oui, c'est quoi ton plan? Déjà, tu me donnes le tien. Nous, on va voler une voiture. On va voler une voiture? Ah ouais? Et toi? Bon, je vais courir après les mecs, je vais les taser, je vais leur prendre leur bandana. Et moi, je me cache. Interdiction de menotter les collègues, hein. C'est bon? Interdiction de menotter les collègues. Agence Strauss, en service. Agence Strauss? J'ai pas compris, il a pas la radio. On s'ajoute taser ou on... Oui, ils ont des kicks. T'as dit quoi? Ça fait travailler. On s'ajoute taser ou on court? Taser into matraque. Et oubliez pas, c'est okay. Si on rate, matraque. Vas-y, je follow. On va tous se mettre dans la radio. On target qui? Écoutez, on va tous changer de radio, te mettre dans la radio 37. On va se mettre loin, pire. Tous radio 37, s'il vous plaît. Wow. Ah, merde. Ah ouais. Ah ouais. Je m'en refais celle-là. Tous radio 37. Ah oui, c'est... Est-ce que tout le monde a son bandana? Allez, venez tous en ligne en face de moi. C'est quand j'appuie sur 7. Oui. C'est des macros. Donc il y a un trio, le trio n'a pas le droit au taser parce qu'ils ont un avantage numérique. Non, pas d'alliance, pas d'alliance. Non, pas d'alliance. Si, j'autorise aux alliances. Ouais. Mais n'oubliez pas qu'il n'y aura qu'un seul duo vainqueur. Le but c'est de gagner, le poids de faire des alliances. N'oubliez pas qu'il n'y aura qu'un seul duo vainqueur. Et une fois que vous avez plus votre bandana, vous êtes éliminé.
On peut plus choper d'autres bandanas. Putain, mais non, alors, c'est éliminé. Vous commencez à descendre. L'exercice commence à exactement 22h35. Ça dure 15 minutes. Ça veut dire qu'à 22h40. 50. Non. 22h50, vous remontez. C'est bon. Okay, monsieur. Oui, c'est bon. Allez, on se dépêche, ces animaux. Allez. Okay. Et on tire pas sur les officiers. Ils sont là pour observer si tout se passe bien. Je vous laisse aller observer. Regardez nos gilets pour que vous puissiez nous différencier, ok. T'as un plan? On va rester en haut. Non. Ouais, on va chercher comme des cons. Ils vont devoir revenir ici, on les baise à la fin. Regarde, on prend la hauteur, on les laisse push. Ouais. Et quand ils nous push, on counter strafe, on les tasse. Ouais. Vas-y, c'est carré. C'est bon? Non, je crois qu'on a droit à un tasse, mais on va en utiliser plus. De toute façon, il met 1000 ans à recharger le taser. Hein. Tu sais viser toi? Ouais. Ok, super. Putain, on est trop bien en vrai. Ouais. Ils sont juste trop cons à être descendus. Quoi? Ouais. Ouais, vous descendez, hein? Bah non. T'as dit tout le périmètre, bah, si, jusqu'à là? Oui, non, mais là vous êtes sur la ligne vas-y, rouge. Viens, on monte. On prend. Mais tu sais qu'en vrai, il y aura forcément une équipe qui va. Eh? Non, mais regarde, il y aura forcément une équipe qui aura pas de bandana. Ah, et ouais. Du coup, si juste on garde notre bandana, on a gagné. Ah, c'est vrai. Bah, c'est vrai qu'il y en a toujours un qui va. Okay, ouais, c'est bon. Ah oui? On fait ça. Je peux plus rien après, il y a que eux. Donc, si on doit tabasser des gens, c'est eux en premier. Putain, dommage, on a pas un sniper. Même, je te jure, franchement, n'importe quel pistolet, tu touches ici. Ça a bien gardé vos bandanas. Regardez en l'air, je vais tirer en l'air pour vous montrer la zone centrale où est-ce qu'elle est. Après ils sont loin les autres, c'est les plus proches des nôtres. Je vais passer dans les extrémités, ceux qui restent dans les extrémités, vous allez voir. Il est 35, on peut y aller? Ouais, ok, c'est ça le centre. Gardez vos bandanas sur vous, le but c'est que vous les fassiez voler entre vous, pas que vous ne les ayez pas du tout. On fait quoi? Tu passes en première ligne, si c'est la merde t'inquiète. Ah ouais, faut que tu passes en première ligne, parce que si je me fais taser en premier, ils vont prendre directement le bandana. Mais le but c'est d'arriver au centre, chef? Vous êtes pas obligé, mais vous êtes obligé de vous resserrer par contre. En gros, c'est-à-dire vous pouvez toujours rester dans les extrémités, mais vous devez vous avancer, c'est une zone. Comme dans les jeux vidéo. Eh, c'est... Oh. On fait quoi? On les tase, on prend leur truc, on court, s'ils reviennent, coup de matraque, et on se rebarre. Hein. Mais t'as vu le taser comme il est long? Matraque, c'est ouais. Matraque, c'est mieux. Hein. Tu penses enchaîner, enfin, un push à la matraque? Non, je pense que c'est mieux de push au taser si on rate matraque. J'étais un tryharder. Eh, je veux pas perdre. Non, taser, matraque. Ouais, vas-y. On fait quoi? On push les eux en bas là? Ils ont l'air d'être des petits cons, ils ont l'air d'avoir peur. Vas-y, viens. Tu me suis? Vas-y. Eh, parle. Vas-y. Fais attention. Aïe. Non. Je vais bien. Kinkin. Viens, on fait genre on les a pas vus. Ah, mais là on va tomber devant eux. Là on tombe devant eux. Par personne. Vous pouvez t'as écrit. Non, ils sont sur la gauche. Personne, n'oubliez pas. Ils sont encore dans le buisson? Fais attention. Vous glissez de la montagne. Que vous tombez en voilà. Aïe. Non. Je vais bien. Ils sont éliminés ceux qui glissent. Ouh. Ils sont pas éliminés justement. Ok, ils m'ont raté. Ils m'ont raté, viens. Prends la hauteur. Raté. Heureusement qu'on a déjà privilégié les points. Là! Là! Toi, petit. Petit quoi? Petit quoi? Petit. Raté! Ils sont trop nuls! C'est pas moi! Je l'ai! Vas-y, on se met! Remonte! Ils vont mettre trop de temps à venir! Ah, t'es chaud! Ah, j'aime bien! Ah, c'est bon, on peut remonter! Leurs bandanas sont éliminés, sont tapés! Ça arrive! On se les fait aussi? Là, ça fait un chacun qu'on a! Et je te jure, Matraque est trop fort, Ah ouais? Mais le taser, s'il touche. Ouais, faut toucher quoi. Ouais, t'inquiète. Je retire auprès de la zone centrale. Ça veut dire que vous devez vous resserrer tous. Ils maintenant, beaucoup plus. Eh là, non, là, y'a trop de groupes là. Éliminatoire. Les gars, Alliance Non, c'est ton coloc. Alliance nous, Malcolm venir, Malcolm Non, arrête Malcolm pour ceux qui ont perdu leur bandana, du coup. Malcolm c'est moi. Arrête s'il te plaît, fais pas le con. Fais pas le con, t'es sérieux ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais on Alliance. On jure? Mais oui, je te jure, mais t'es sérieux ou quoi? Par contre, dis qu'il arrête de me braquer. J'ai dit arrête de me braquer. Venez. C'est gratuit. Tape le mec, il en a trois. Pourquoi vous marchez? Parce qu'on a été éliminé. Ah. Boutrugaise. Ils sont morts. Oh, montez les mains en l'air quand vous êtes éliminé, s'il vous plaît. Rangez vos tasers aussi. Ouais, rangez vos tasers et levez les bras, s'il vous plaît. Loser, va.
c'est un officier. Mais levez vos putains de mains, vous êtes éliminés les deux là. Ah, y'a la meuf, y'a la meuf, t'as la meuf avec lui. Y'a les deux meufs. C'est bon, j'ai les droits. J'ai raté. Aïe, mais non. Bien joué. Prends. Aïe, oh, je saigne. Aïe. J'ai. Vas-y, fou. Elle a pas. Vous en avez plus, tu peux plus, t'es éliminé. T'es éliminé. Ah, vous en aviez déjà plus, c'est un ouf. Mais bien sûr que si, elle en avait. Ah ouais, mais non, vous trichez, c'est bon pas possible. Pourquoi non, y'a rien, ils ont rien. Ah, mais ouais, forcément, ils en avaient plus. Ah, ils en avaient plus. Bah ouais, ils en avaient plus. Oh putain. Ah merde. Aïe. Aïe, non. À l'aide. Eh, enfuis-toi là. Ils sont éliminés, s'il vous plaît. On est déjà à 600 en haut. Je l'ai encore. Bien joué ça. Voilà mon grand. Montre-lui. Prends-lui son truc. J'en ai pas. Non, lui, non, la meuf, la meuf. Pas sans moi. Par contre, lui. Aïe. Comment ça, tu me tapes? Mais arrête. Aïe. Elle a rien. Elle a rien. Ok, vas-y. Attends, je me relève. Pas sans nous, je vous préviens. Attends, je me relève. Mais si. Okay, attention. Vous réunir. Lève les mains. Centrale pour ceux qui ne sont pas éliminés. Tu vas faire quoi? Lève. Allez, viens. Je te sens pas. De l'arbre central. Vous y réunissez tous obligatoirement et c'est la finale. Ça va toi? Ouais, c'est bon. Et c'est ton frère qui l'a volé. Putain, j'ai pris un coup de ta soeur. L'arbre central. Attends, parce que je vois flou là. Coloc. Ouais, t'inquiète, ça va aller. Plus vers la droite, je pense. Bah, vas-y, c'est plus derrière. T'as dit quoi? Remonte quand tu peux. Ouais. L'arbre central. Ouais. Bah, c'est bon. Tout à l'arbre central. Faut qu'on aille à l'arbre central. C'est encore la guerre ou quoi là? Encore la garde centrale, ils vont à l'arbre central. Sauf les éliminés, vous restez. Aïe. C'est lequel l'arbre central? Au milieu des arbres. C'est là où ça tire, où il y a de la fumée rouge. Ah. Attends, faut pas trop se rapprocher, ça va venir vers nous. Il y en a au sol là. Ah, tu l'as vu. Tous les armes, messieurs. Tu l'as vu lui? Ouais. Arrête-toi, celui qui monte, sinon tu te fais. Vas-y, on va dans leur dos. Je sais pas s'il est éliminé lui. On. Ok. Jouer, vas-y, loot. Mais t'étais éliminé toi! J'en ai qu'un, ils ont trois, laisse-le moi! Non, attends, lui, il est avec moi! Ah ouais? Oui, il est avec moi! Ok, tiens, je t'en passe ça! Ok, vas-y! C'est... Ils en ont là-bas? Ah non! Attends pour moi! Ah, c'est pas possible! Laisse-moi! Gros, trichez pas! Attends, mais. Voilà mon grand! J'en ai trois! Vas-y, calme! Eh, c'est bon, on l'a mis! On a gagné non? En bas, non, il y en a deux en bas, faut les prendre! Vas-y. J'en ai trois sur moi! Dans le dos! J'en ai quatre sur moi! Laisse-moi, tu veux le mien et tu joues, on se la joue possible? Non, on split au contraire! Au moins, si jamais un qui se fait choper! On fait quoi du coup? Vous avez le droit de prendre vos dépositions et tout ça! Attends, viens, on monte sur le petit caillou là. Y'a trop de monde là. En face, ce sont des terroristes qui sur notre gauche, y'en a. Là, au moins, on a la hauteur. Vas-y. S'il vous plaît, ceux qui sont éliminés, vraiment gardez les mains en l'air et le niveau parce qu'on comprend rien sinon. Éliminés, vous devez remonter de toute façon en haut de la montagne. Oui, c'est moi. Montez tous ceux qui sont éliminés. C'est Malcolm. Oui, c'est moi. Mais attends, il reste que nous, je crois. Vas-y, on vous laisse. Je crois qu'il reste que nous. Hein. Ah non, il a. Où? Ou juste là? Aïe, non! Non! Comment t'as pu faire ça, Malcolm? C'est le jeu! Comment t'as pu faire ça? Toujours, c'est le jeu! C'est le jeu, Riz, c'est le jeu! Comment? Je t'aime, mon. Comment t'as pu faire ça? Comment t'as pu faire ça? Ne me prends pas tout! Je t'en laisse un! Comment t'as pu faire ça, Malcolm? Non! La pute! Il m'en reste un, je suis pas éliminé. C'est bon, tiens, prends le mien, Malcolm. C'est bon, t'as gagné. Non, prends. Attends, Malcolm. En haut à gauche. Malcolm. Prends le mien, t'as gagné. Tiens, en haut à gauche. Attends, mais tiens, prends. Je suis éliminé, Malcolm. Malcolm. Je t'entends pas. Attends, je suis éliminé. Oui, bah oui, ça y est. Vas-y. Non. J'avais. Ah, vous voulez nous la faire à nous? Vous voulez nous. Je t'en ai laissé un. Ah, tu m'en as laissé un. Très bon geste, tu m'as trahi. Cabal. Je t'en ai laissé un. Là. On snowball.
Bouge pas. T'es éliminé Malcolm, t'es éliminé. C'est bon, t'en as plus. Oui, c'est comme ça. T'as voulu me trahir. Cavale. Le risque est vainqueur si l'équipe de Malcolm est éliminée. Oui, c'est bon. C'est bon, on a gagné. Vous en avez l'équipe de Malcolm ou pas? Vous avez plus? Non, ils en ont plus. Il reste l'équipe de John Walter. Puis ok. Alors la partie n'est pas terminée, c'est la finale. Ils sont à l'arbre central. Allez. Vas-y, faut qu'on ait l'arbre. Et tous les éliminés ont. Attends, tiens. Vas-y. Eh, mets en bas dans mes poches. Mets en bas. mets tout seul. En bas, non. Mets tout seul. Oh, garde-en un en haut. Comme ça. Ah, il y a la fumée pour tout. Comme ça, il pense en éliminer, mais on n'est pas éliminé. Vas-y. Un maximum, mais restez pas sur les côtés. L'objectif est de se faire. Je les éclate. Ils sont derrière le camion. Ouais, je les vois. Vas-y, viens, on y va. Viens, on y va. On va les éteindre. Proche de la zone de fumée. Passe sur la droite. Passe sur la gauche. Pareil pour celle de monsieur John et Joey. Vas-y. C'est 2v2 là, il reste que deux équipes. Oh, c'est Widman. Non. Je l'ai eu. Viens là, Widman. Widman, viens ici. Non. Viens là, Widman. Putain. Il y aura des pénalités. Putain, il faut que je m'enfuis. Putain. Après tant de moments vécus, tu me fais ça à moi. Il est mort, il a plus de bandana. Prends-le, c'est les derniers. Putain de merde. Ah, bande de tricheurs. C'est bon, il y en avait un en bas. C'est bon, impeccable. On a gagné. Ils ont triché de moi. Comment ça, on a triché? Bravo. Je te dis, on a pas triché. Bravo, vous avez gagné. Putain de merde. T'as dit quoi? Putain. Je te jure qu'on a pas triché, mon ref. Là, c'est un taz par truc. Et il s'est, vous êtes fait. Ouais, moi après j'ai pris au point, moi. Ouais, mais toi, il a tazé deux fois. Ton pote, ouais, il a tazé. Mais ouais, c'est pas grave. Ah, écoutez, j'ai une strat, les gars. Attendez. Ouais. Quoi? On va gagner tous les deux. Écoute, là, il a dit que ce travail c'était un truc de coéquipier, etc. On va pas vous balancer. On va attendre la fin quand tu vas vous nommer. Et après, on va parler. Et on va dire que comme quoi, on a fait exprès de pas vous dénoncer dans l'exercice parce qu'on est une équipe. Au final, tout le monde est ensemble. Oui, c'est une très bonne idée. Qui c'est qui a gagné? Encore, coupe pour tu tasses. Espèce de sale. Espèce de traître. T'es qu'un sale traître, Malcolm. Je t'en ai laissé un. T'es un sale traître. Tu m'as tasé dans le dos. Comment t'as pu faire ça? Comment t'as pu faire ça, mon frère? Après tout ce qu'on a vécu, toi et moi, Malcolm. Non, ne tombe pas. C'est avec toi que j'ai parlé là? Non, avec mon pote. Et du coup, vous êtes là ou pas? Vous êtes chaud ou pas? Moi sinon. De quoi? Qu'on vous dénonce pas que vous avez triché? Mais non, c'est vous qui avez triché. Et c'est vous qui avez triché? Mais non, ton pote il a utilisé deux coups de phase. Mais ton pote aussi! La vraie victoire elle est dans le cœur. Ah ouais? Ah oui, c'est pour ça, on dit rien. On se dit rien. Waouh, c'est magnifique. Très bien. La vraie victoire c'est pas les bandeaux. La vraie victoire c'est ce qu'il y a dans le cœur, je disais. Exactement. Calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, ne t'énerve pas. C'est pas grave si tu as perdu. Tiens, les vainqueurs, vous avez un mot à dire? Ouais. Dites le mot. On les a éteints. Apparemment, le mot est clair. Éteint. Éteint. Extinction. Messieurs, dames, sachez que je suis personnellement très fier de vous. J'ai fait le tour un peu des participants. Vous aviez des très bonnes stratégies. C'était très varié. Vous avez réfléchi. Vous avez pas foncé la tête baissée, hein, comme on dit. C'est vrai, Connor. Ça, c'est le principal. Tiens, tu as le droit de prendre cette médaille. La porter fièrement. C'est un petit pins. Oh, merci. Et toi aussi, petit pins. C'est cool de gagner un petit pins, non? Oui, ça fait plaisir de gagner un petit pins. C'est du toc, hein, c'est du toc. Oui, bon. Mais hein, vous allez pas parler de nos commandants, vous avez dit? Si, je vais parler de vous au capitaine. Et dire que vous avez réussi à être un très bon duo. Ouais. Ceci étant... On devrait peut-être refaire cet exercice avec les unités d'élite, parce que c'était un peu trop facile, là. Ouais, c'est vrai. L'avantardise, par contre, le comique, tu te calmes. Rhabillez-vous tous. Pardon, chef. Rhabillez-vous tous, et vu qu'ils ont gagné, ils ont le droit de vous faire pomper. Est-ce que vous voulez le faire pomper? Non, chef. Vous voulez leur faire des abdos? Non, chef. Merci, Russe, t'es un bon. Pensez à leur forme physique. T'es un bon. Je vous repose la question. Juste le russe. Non. Bon, bah, tu dois pomper, allez. À poil. Non. Allez, pomper à poil. Non, tu dois pomper. Mascoff. Tu dois juste pomper. Non, te mets pas à poil, putain, t'es con, Alexander. Eh, rabis-toi, Alexander, c'est un ordre. J'ai un logo sur ta tête. Oui, non, le gagnant, il est con. Le gagnant. Voilà. Putain, mais il se déshabille. Mais, eh, vous déshabillez. Vous déshabillez pas, bordel. Putain, wow. C'est con ou quoi? Pardon, je vais me foutre un poil, j'ai chaud. Non. Et je veux que Laura nous raconte une blague. Oula, alors celle-là. Bon bah, Laura, tu racontes une blague. J'en ai pas.
Si si, ordre, tu racontes une blague. Bah j'en ai pas. Oh. Oui mais il faut que tu racontes une blague. Allez Laura, là tout le temps t'es aigri là, fais une blague de Toto. Allez, motivation, je te fais. Oh, mais pas drôle. Dans le cul ou quoi? Laura, 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 Laura. Allez là. Allez Lolo, allez Laura, on t'écoute. Allez, après on part. On partira jamais. Ah allez là, espèce d'aigri là. Oh quand t'étais petite là, allez. Allez là. D'aigri. Laura, t'es où? Laura, écoute, moi je veux que de la bonne ambiance. Si t'es pas capable de donner un minimum de bonne ambiance, voilà quoi. Je sais pas, moi je demande à Tête de bite, fais-moi une blague. 55, fais-moi une blague. Qu'est-ce qui est jeune et qui attend? Je sais pas. Jonathan. Le reste du pollen dans le grain d'air. La bonne ambiance. Laura, donc tu mets de la bonne ambiance, s'il te plaît. Ah, j'aurais plus dit un vagos dans une cave. Mais... un bon agent, ça met la bonne ambiance avec tout le monde. Allez, Laura, on t'écoute. Bah, du coup. À partir de maintenant, on t'écoute. Alors, merci, Laura. Taisez-vous. Ça va se lancer. Ah, c'est profond, quoi. Ah, c'est vrai que ça fait réfléchir. Non, non, laissez le silence. Laissez le silence. Je sais pas. Allez, Laura, tu peux trouver. C'est qu'une question de confiance. L'oppressez pas, d'accord. Allez, Laura, allez. Ne t'es surtout pas proche d'elle, hein, l'oppressez pas. Allez Laura, tu peux y arriver, on t'aime tous ici. Allez, on compte tous sur toi. Allez Laura, allez quoi, putain. On va ensemble sur le terrain, Laura, on va ensemble sur le terrain, fais-nous rire. We are a team, retiens ça, we are. Ou alors dis-nous que tu nous aimes, je sais pas. Tu mets un bisou Laura, tu mets un bisou. Allez prédateur, recule toi là-bas. Écartez-vous, y'a que moi qui m'approche d'elle et les officiers. Bande de cons là. Allez Laura. Ok. Ah. Oh. Je sais pas quoi dire. Maintenant du coup ça marche pas. Putain. Laura, allez là, lâche pas ta blague. Courage. Laura, s'il te plaît. On a confiance en toi. Prends la confiance, voilà. Alors, prends la confiance que je te donne. Et tu la mets dans ton cœur. Pas dans ton cul. Okay, et à la fin, les commentaires. Alexander, tu pompes. Pourquoi est-ce qu'on dit que les Bretons sont tous frères et sœurs? Pourquoi? C'est cool les Bretons. Parce qu'ils n'ont qu'un père, la ville qu'un père. Qu'est-ce que je viens de voir? Aïe! Qu'est-ce qui m'arrive? Malcolm, viens marcher avec moi devant. Malcolm, tu marches avec moi devant. Allez, en rang! En rang, deux par deux! Tiens la main, Malcolm! Malcolm, tu me tiens la main, Malcolm! Et tu remarches devant avec moi. Je crois que je me suis fait. Mort par un serpent, les mecs. Hein, c'est un coup de taser. Arise. Je t'excuse, Arise. Deux par deux, en rang, allez. Discipline. Même si ça fait penser à piscine, on oublie ça et c'est discipline. Allez, Riz. Oui, deux par deux. Tu te mets à côté de Malcolm et vous vous pardonnez. Devant, il est devant. Désolé, je suis un peu. Je veux pas savoir. Seamus, il est pas content. Pardon, chef. Désolé, Seamus. Seamus, pas chef, Seamus. D'accord, Seamus. Sergent Seamus. Ou l'aigle. Allez, on y va en rang deux par deux. Désolé. Et vous, et on chante. Il y a un serpent qui m'a mordu. Et je monte dans ma voiture. La la li la la la. Et fais péter le démarreur. La la li la la la. J'embraye pendant le démarrage en côte. La la li la la la. Et je cale parce que je suis rookie. La la li la la la. Mais rookie, ça veut pas dire con. La la li la la la. Ça veut juste dire que je dois progresser. La la li la la la. Sergent Seamus va m'aider. La la li la la la. Tout ça pour dire que je veux être flic. La la li la la la. Mais y'a pas que ça dans la vie. Y'a pas que ça dans la vie. Car il y a le sexe aussi. La la li la la la. En Angleterre on baisse par terre. La la li la la la. En Italie on baise au lit. La la li la la la. Mais en Amérique on n'est pas con. La la li la la la. On baisse dans toutes les positions. La la li la la la. Et la la li et la la la. La la li la la la. Et la 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 et la la la. La la li la la la. Et pour Laura, allez, allez. La 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 la. Allez. Oh mais oh putain. Putain merde, t'es chier quoi. Allez les buts s'il vous plaît, on les ramène quoi. C'est bon quoi, on déconne pas là. Allez, on rentre au PDP, on prend une douche là, ça pue. Attendez, laissez-moi conduire, je vais sortir le bus. Ah, il faut un putain, il est plein. Sors, laisse-moi conduire, je sors le bus. On va aller à la douche là et après on prend le service en attendant les officiers pour le dispatch. Ah, vous voulez que je conduise le bus en entier? Bah, tant qu'à faire. D'accord. Tu
Victor. Allez, allez, ça embarque, ça embarque, ça embarque. Fais gaffe, fais gaffe. Oula. Oh, oula. Oh. T'as ton permis? Non. Ok. Ok, ça rassure. Je suis rassuré. Oh putain. Pardon. Allez, ça embarque, pardon. Ça embarque, s'il vous plaît, ça embarque. Pardon. Allez, allez, allez. Vous vous préparez savon, tout ça après, petite douche, et après on reprend le service. Affirmatif. Allez, au oui. Merde, je suis pas confiant les gars. T'inquiète, t'inquiète. Laisse quelqu'un d'autre conduire. J'ai déjà conduit sur Forza. Ok. C'est pas la même, non? Bon, attends que tu me ramènes en vie au poste, c'est bon. Ouais, oh, mais c'est pas parti là. C'est pas parti. Ok, laisse conduire quelqu'un. Je gère. Non, laissez-le prendre confiance en lui, les gars. Riz, c'est toi qui conduis? Ouais. Hop, ouais. Oh merde, oh merde. Allez, on trace, c'est nous la loi. Tu vas respecter la loi, respecter. C'est bien? C'est dur, hein? Merde, non. Wow. Ça va? Oh, putain. Je rejoins la route. Ah oui. Ouais. Je gère. Du coup, les bus, c'est propulsion ou traction? Explique-moi les codes radio pour dire départ patrouille. Bien sûr. Oh là là, je sens mal. Quand même vite là. Vas-y Riz, vas-y Riz. Freine pas, freine pas Riz. Ma mère la pute, je freine. Plus si tu freines, plus si tu freines. Je freine pas, je freine pas. Ok. Très bon. Prenez le son. Je te donnerai du chorizo quand on arrive. Avec plaisir, j'adore le chorizo, monsieur. T'as combien là? 160. Quoi? 160. Là je freine là par contre, je suis obligé là. Oh la pute. Ah ouais, c'est vraiment une pute. On est arrivé en vie. C'est ça. Bien joué Riz. Merci. Allez, la douche. Et on se touche tout nu. Ceux qui mettent la serviette sur le côté, vous allez voir. Complètement fou celui-là. Voilà les Rocky. Wouhou. On est en train de traîner un mec par terre là, non? Allez, tous à poil. Oui, c'est où? C'est là, tout droit. Mais il va buter. Allez tous à poil. Et pourquoi il y a un mec qui roule par terre? Ah la douce. Mais moi je veux pas me doucher avec les hommes. Là. On va très bien. Ouais, y'a pas beaucoup de temps. Tue-toi. Attendez, c'est bon, laissez de vous doucher, vous mettez du parfum. Ok. Merci. Allez, s'il vous plaît. Allez, ça se douche là. N'obligez pas à bien vous laver, sinon c'est moi qui vous astique là. Eh ben moi je pense que je vais me laver. Allez, ça se douche la bande de merde là. Allez, c'est bon moi. Vous rhabillez et vous remontez au parking tout droit quand vous avez terminé votre douche. En ligne sur le parking. Affirmatif. Là, y a un problème. Quoi, t'as besoin que je vienne te nettoyer l'anus? Oh, 64. Comment ça dans les oui, douches? Ça va chef. Arrête de crier comme ça, Kader. Non mais c'est mon instructrice. Bah, on en a rien à foutre. Arrête de crier, t'as compris? C'est genre ma déléguée principale. Voilà, c'est bien. Ça va, 64. Pardon, je suis désolé. Vas-y, dégage, je crois que allez, vous devez aller va sur là-bas. D'accord, oui, je vais aller, ah, on peut traîner ensemble après. Allez, dépêche-toi. Dans tous les cas, je crois qu'on va être obligé vu que je suis toujours votre officier référent. Oui. Allez, si je vous laisse aller sur le parking, je vous rejoins. Ça marche. À tout à l'heure, 64. T'as bien dormi? À tout à l'heure. Oui, très bien, et toi? Oui, ça va, j'ai plutôt bien dormi. Bah, parfait. Au moins, comme ça, vous êtes bien excité, bien. Oui, bien en forme. Bien en forme. À tout à l'heure. Et ça va, t'es pas trop fatigué là? Tu vas faire. Tu vas bien travailler? C'est culotté, allez dans le parking. D'accord, ça marche. Allez dans le parking. On se voit après, hein? Oui, pas de soucis. Ça marche. T'as bonne mine en tout cas, ça fait plaisir. Merci, toi, pareil, voilà. Tout pareil. Merci. C'est ce que j'ai remarqué. Et toi aussi, la rascasse avec moi. Ah tu viens. Merde, c'est pas okay. Moi. Non, la rascasse. C'est quoi? Rascasse, ça veut dire quoi? C'est son surnom. T'es un poisson. Très bien. Bon, comme vous voyez, ces quatre agents, enfin ces quatre rookies ont un manque profond de confiance en eux. Comme vous voyez. J'ai regardé Tête de Bite. Tête de Bite, c'est celui qui a tout attends, à ma gauche. Attends, je vous augmenter alors, oui, la luminosité. Oui, il se douche avec sa serviette. Pour voir. Non, on est là pour le mettre à l'aise. Genre, si je fais. Esprit familial. Là, Malcolm, ça. Lui, c'est un défoncé. Arrête de fumer, putain. Un peu trop. Malcolm, c'est un défoncé. Il est sans fumer forcément de weed. Il est juste mou. Il manque de confiance en lui. Donc, je compte sur vous pour le mettre à l'aise. Là. À ma droite, il y a Laura. Laura, elle a du mal. Non, un peu moins. Mais Laura, elle a moins. Du potentiel. Elle se sent. C'est Laura quoi. Johnny Hallyday, il avait fait une musique, elle s'appelait Laura. Tu l'écouteras ma belle. Là. Et après, on a la rascasse. Ah là là. Vous l'aimez s'il vous plaît. Parce que je sais pas d'affection, s'il vous plaît. Ah oui, on t'aime. Oui, on t'aime. Je t'aime. Allez, on le dit qu'on aime la rascasse quoi. Arrêtez de faire Zama, c'est à 0,01. S'il vous plaît. Tu es toi. S'il vous plaît, arrêtez de faire Zama. Super crête. C'est à 0,01. La luminosité. Qui tu es? Qui tu es? Réponds-moi. Ouais, c'est 95, je t'aime. Quel grade? Officier, chef! Officier, très bien! Voilà!
Bon, Malcolm, c'est bon, mes petits puceaux en manque de confiance, vous pouvez retourner sur la ligne. Maintenant, on va passer dans les dispatchs. Qui c'est qui veut venir avec moi? Moi, chef. Moi. Moi, entrez avec moi, non, il faut prendre des rookies. Ah, les rookies là, ah, bah, avec qui? Ouais, 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 parce que là, il y a une rookie. Moi, je veux bien, rookies. Avec moi. Attendez, fils. Je passe un call radio, attendez. Quand même, ouais. Sergent instructeur Sheamus, d'ailleurs, je me présente. Bonjour, sergent instructeur Sheamus. Ah, vous ressemblez au catcheur Sheamus à l'ancienne. Vous connaissez? Non. Je jure. Je le connais pas. Ah, si c'est lui. Vous êtes son cosplay, hein, vraiment. Je le connais pas. Sergent Sheamus, de retour radio, j'aurais besoin de 3 officiers pour prendre des patrouilles. Une prise d'otage. D'accord, ok. Ah, ils sont sur une prise d'otage. Ok, ils sont sur une prise d'otage. C'est pas grave, nous on va s'occuper de patrouiller en attendant. Vous allez faire des tangos encadés du coup. On est obligé de passer par là. Nous, ça va, ça nous, mais on a nos officiers référents, non? Oui, mais vos officiers référents, là, ils sont débordés. Ouais, c'est le bordel, cadet, c'est le bordel. Bon, c'est moi qui vais faire le dispatch, j'ai pas trop l'habitude du coup. Féfé, tu vas me prendre. Féfé, tu vas me prendre. Ouais. Non, mais tu vas les prendre en voiture, en patrouille. Féfé, tu me prends Malcolm et tu me prends 55. Oh, très bien. Ton matricule. Riz 07, tu me prends 113 et tu me prends le père. C'est qui Malcolm? Chef, c'est le père. C'est moi. Chef, on peut pas être séparés, Malcolm et moi. Si. Ah oui, c'est vrai, vous êtes en couple, vous, c'est vrai. Bon, bah alors, le père va patrouiller à deux. Non, mais on appelle Savastano. Savastano vient de nous récupérer. Savastano, elle est sur une prise d'otage actuellement. Ah, attends, je l'appelle. Pas la déranger. Non, tu ne peux pas la déranger. Putain. Tu vas partir en. Ouais, vous, je peux pas vous laisser. Officier, vous me prenez les deux. Ouais. Oh non, c'est mort. Vraiment. Non. D'accord. Si, okay. C'est bon, c'est bien. Allez, on y va. Ok, ah, bon, on y va. Ouais, on y va du coup. Allez, partez. Prenez celle-là, je vais prendre la voiture. moi, je vais prendre Alexander, tu viens avec moi. Conduis, chef. Non, Riz, conduis. Ouais. Riz, conduis. Vas-y, sors ton véhicule. C'est le nôtre, ça. Ouais, prenez celle-là. Bah, vas-y, conduis. Vas-y, conduis. J'ai pas le permis, moi. Alexander, tu viens avec moi et je prends. Ça, je prends. Bah, j'ai pas le permis, j'ai pas passé le permis en gros. Putain, ah ouais. Ouais, au hasard, toi. Tu t'appelles comment? Attends, parle derrière. Tu t'appelles comment? Oh, mais non, mais c'est mort, frère. Quoi? Non, mais attends, mais. Non, rien, moi je m'appelle. Strauss. Demande-nous comment on s'appelle. Vous appelez comment? Moi c'est Malcolm. Moi c'est Riz. Donc le plus con, il est derrière, c'est ça? Non. Il est où, Douy? Mais non, mais ça a rien à voir, on n'est pas la famille de Malcolm, c'est juste que lui il s'appelle Malcolm, moi je m'appelle Riz. Genre vraiment pas fait exprès. Bah justement, donc... on s'est rencontrés, on s'est dit putain c'est marrant et on est devenus meilleurs amis. Ah bon? Ouais. Oui. Demande-nous nos matricules. Du coup vous êtes rookie? Demande-nous nos matricules. Ah là là, attends, je me demande bien ce que c'est vos matricules. Dites-moi les cadets, c'est quoi vos matricules? Dis Riz. Moi c'est 113. Et moi 114. Ça suit. Ça suit. Les chiffres, ils sont en prix. Oh les cadets, vous savez, vous êtes où là? Est-ce que vous savez, vous êtes où? Vous êtes au sein du LSPD. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? On se rend sur le véhicule. On parle pas de grade là, là on parle. Ok, mais t'es quel grade? Ah, tu veux faire le con avec le bureau? Non, mais t'es quel grade? Non, mais t'es sûr de toi? Allez hop, alors toi, cadet, je m'occupe de toi, je te le dis. Ah, tu fais l'américain? Tu veux faire l'américain? Tu vas voir. Ça veut dire quoi? Vous êtes quel grade? Ça veut dire que si par exemple, je sais pas, par pur hasard, je suis que officier, ça veut dire ah, gnagnagna, t'es que officier, c'est ça? Mais non, pas du tout. Ouais, c'est que ça. Mais par contre, chef, je crois qu'il y a une prise d'otage quelque part. Prise d'otage? Attends, pousse. Bah ouais, je sais pas, il y a en radio, t'as pas la radio? Pousse, chute. Oui, bonjour, radio. La prise d'otage, elle est où, s'il vous plaît? Il veut de la plage d'un double demande de backup de niveau 2. Oh, l'acteur. Pourquoi tu parles avec une voix charismatique dans la radio? Oh, ta gueule. il a dit quoi de... C'est quoi double 4? Je sais pas. On vient d'arriver, nous. Sur la dernière demande de backup. Ah, il a dit à la plage, il a dit à la plage et à la demande de backup. Mais c'est quoi double 4? Double demande de backup. Attends, on a pas dit qu'on le partage en patrouille. Pousse. 4, on arrive tout de suite, Tango 95. Mais pourquoi tu prends encore une voix charismatique? Mais parce que je parle radio, je vais pas dire wesh les gars, on arrive. Réfléchis. Ah. Comment déjà? Strauss. Le 95, ouais. Strauss? Ouais, Strauss. T'es juif? Non. Le 4 pour centrale, est-ce que j'étais docteur avant? Enfin, mon oncle, il était docteur avant.
Oui. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur moi. Ok, mais quel rapport avec le judaïsme? Une réponse radio, s'il vous plaît. Je suis dans la sauce. Pourquoi? Je sais même pas pourquoi je rigole. Je te jure, je sais même pas pourquoi je rigole. Ok, mais pour te mettre dans le contexte, on doit vraiment tout apprendre. Oui, vraiment, on est cadet, on est cadet, ouais. Demande de backup, ça veut dire ils ont besoin d'aide. Ils ont demandé une double demande de backup, c'est-à-dire ils ont deux fois besoin d'aide. Tango 0741 secteur. Oh. Non, c'est toi. Laisse-moi conduire. Laisse-moi conduire. Nous arrivons sur le double backup. Laisse-moi conduire. C'est bon, t'inquiète. Bon, je veux plus rien entendre maintenant en radio, d'accord? Uniquement les informations cruciales. Agent sur place, je veux que vous les encercliez, d'accord? Alors, écoutez, il est en train de se déplacer avec les otages, c'est pas pensable. Faites extrêmement attention, il y a un quartier juste à côté, on risque d'être pris à partie, donc j'ai un périmètre de sécurité. Le plus important est l'extérieur, pas l'intérieur. D'ailleurs, on l'a sous les yeux dans tous les cas. Système, bien reçu! Cadet, c'est quoi le problème? J'en ai aucune idée, je viens d'arriver. Je crois qu'il y a une prise d'otage. Attends, c'est quoi? Merde. Tango 17, 19, dernier vol de véhicule. Tango 0719, vol de véhicule 80. Là vous en avez moins. Lève la main. Fais stoboscope. Tout ça va marcher à force. Je lui mets un coup de taser en secret, capitaine. Non, pas pour le moment. Il a plus d'otages. Il a beaucoup plus d'otages que ça. Ah, ok, d'accord. J'ai parlé d'un plan cave. Ils sont en train de le protéger tout autour de lui depuis le début, en fait. Pourtant, je comprends pas. C'est lui qui aurait tout reçu, quoi. Moi, je vais tasser. N'importe quoi, il a une arme. Ah ouais, calme-toi. Ok. Pareillement. Tango 07 RAS s'appelle 80. C'est fou, ils prennent leur temps là. Voilà. Cadet à côté de moi, cadet. Je suis là. Calme-toi, toi. Non, mais tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Fais pas le con. On a compris, monsieur. Avance. Colle-moi. Y'a ton pote qui s'est réveillé, Tes potes se réveillent! On s'arrête! Du coup, on a pas fait connaissance, vous appelez comment? Rufo, et vous? Rufo, enchanté, moi c'est Nate! Ben j'en ai rien. Ah, ok! Ah! Oh, ça va toi? Très bien. Bah écoutez, Rufo, malheureusement, on va pas vous laisser avancer comme ça, d'accord? Je sais pas ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, mais ça va poser un petit problème, comme je vous avouerai. Oh, t'inquiète, je m'en charge. De quoi, monsieur le policier? En gros, la négociation, c'était quoi? C'est que j'avance avec les otages, d'accord? Et j'en chie à chaque avancement. Donc là, j'en ai chié 3, 4. Et là, je vais avancer, j'en chie un. Après, j'en chie un autre. Tu captes? C'est quoi comme accent qu'il a, bordel? C'est pas mal. Jusqu'à la route. Parce qu'après, quand je serai à la route, je vais sauter la route. Sacrée trace de chien. D'accord, très bien, on va faire ça, ok? Avancez doucement, allez, avancez, toi aussi derrière, je t'ai pas oublié. Attends, doucement mon plan cul là. Allez, avance. Vas-y, j'en chie, stop. Donc, je suis mis. Il y a des gens, 100%, il y a des personnes qui vont venir le récupérer. 100% des personnes vont venir le récupérer. Les rookies, est-ce que vous pouvez prendre un véhicule et on vous allez prendre la poursuite, s'il vous plaît? Voilà. Jusqu'à la route, monsieur. Par contre, ça serait bien qu'au moins jusqu'à la route, vous en ayez. Oui, 10-4, on va prendre la poursuite. On va pas. Donc, je suis mis actuellement 56 d'une exemplaire noire occupée une fois, direction Vespucci. Chris, t'as vu, on est dans une prise d'otage, c'est un truc de fou. Tu sais conduire ou pas en vrai? Oh, genre, je suis sergent, okay, d'où okay. Je sais pas conduire. Ok. Allez, monte, Rookie, montez, Rookie. Il est parti là? C'est bon. La voiture va arriver. On prend la poursuite, soyez prêts. 80, Tango 95, on prend la poursuite. Non, c'est pas comme ça qu'on prend un call radio. En vrai, c'était stylé ce que je viens de dire, hein. Et là, il y a 4 véhicules, c'est trop. Il y a quelqu'un qui va venir me prendre et je vais les. Il y a Tango 95 et une autre voiture. C'est qui là? C'est. Deuxième véhicule qui suit, qui se déclare. Oh, tout de suite, gamin, t'es dans la merde! De toute façon, ils vont quand même te chasser. Vous êtes les seuls à poursuivre. Tango 17, voilà, 19, appelé 97. Du coup, j'espère que vous avez entendu. Il y a une personne qui va arriver le chercher et je pense qu'on va les laisser repartir. Mets-moi sur le teco là, vite fait là. Voilà. Qui nous donne les deux derniers otages? Les cadets, vous m'entendez? Ouais. Ouais, on t'entend. Prenez-en de la graine sur le pilotage. Ok. Par contre, tu devrais faire demi-tour parce qu'ils vont partir de l'autre sens. Qui t'a dit? Mais regarde, ils vont prendre la voiture qui est là. Ils vont prendre ce boubou de merde là? Bah oui. T'es sûr de toi? Oui. Reste comme ça, au pire tu pars à droite ou tu pars à gauche. Voilà. Voilà, c'est t'as bien. Vu comment on est intelligent? Non, c'est Riz. Non, c'est tous les deux. Il m'a tapoté l'épaule. Arrêtez
c'est. Ah d'accord, on en est là. C'est mon coloc. Eh hey, bouge ta mère toi. Attention vous. C'est bon. Je te jure, c'est sûr, ils vont prendre la vieille voiture. J'y étais ici là, je suis venu ici. Moi j'aime le saumon. J'y fuis. Vous êtes tous prêts hein. J'ai parlé à vote. Oui, oui. Merde. Clairement par la vote. T'étais où? Là, à gauche? J'y suis. Là, partout, là, partout. Je suis Mus, fin du petit 56, individu perdu. Si c'est pour Radio, est-ce qu'on peut clear les appels, s'il vous plaît? On peut clear quoi? Les appels. J'ai compris les RP, moi. Ouais, on a la tête dans ma tête. Je vous libère, lui. Je sais pas pourquoi, sergent, mais je te sens mal. Qui est moi? Ouais. Je suis le meilleur pilote de Liberty City et de Los Santos en même temps, les deux. Ok. Personne qui arrive au niveau du périmètre de sécurité derrière vous, 15. Il faut absolument les faire partir, 4 personnes. Qui est juste à côté, là, vous restez à la garde et dégagez les supplés. En vrai, ce soir, je suis grave chaud. C'est bien, cadet, c'est non, ce qu'on vraiment, va entendre. Vraiment, je suis chaud, là, je suis chaud. Ouais, c'est ce qu'on va entendre. Et je t'ai dit quoi tout à l'heure, du coup? Nature garde son droit. Ah, là, non. La nature reprendra son droit. Okay. Pourquoi on lui met pas un coup de taser dans le fesse? Oui, c'est ce que j'ai dit au capitaine, bah, mais il a dit que... ils sont... Non, parce que... les gars, il a une arme dans les mains, vous lui mettez un coup de taser, il tire peut-être sur un civil. Ça va faire embouteillage. Oui, deux personnes, vous avez libéré deux personnes en plus, effectivement. Ah, mais là, il veut faire un embouteillage, là, et là, il nous la met à l'envers, hein. Faut qu'il se casse. Là, tu devrais prendre les devants et te mettre de l'autre côté. Tu vois, genre là, à droite, vas-y, va à droite. Non, va à gauche. Et là, dans le petit renfoncement, à gauche. En gros, tu fais la même à gauche. Tu refais la même à gauche. À gauche, là-bas. Voilà. Putain, elle est trop intelligente. Voilà, tu passes là. Je le savais, vous allez m'apprendre. Avance en travers, vas-y, fais-le. En travers. Avance. Voilà, et là, tu recules. Reculez. Il y a trop de civils dans le périmètre. Encule le panneau, voilà, recule. Voilà. On a les mêmes pensées, Riz, on a les mêmes pensées. Attends, je prends un truc à boire. Tu prends un truc à boire. Merde, c'est une pharmacie. Attends, je vais au magasin d'à côté. C'est des fruits et légumes, vous voulez des fruits et légumes? Ouais, vas-y. Ou y'a de la beuh à côté, vous voulez de la beuh? Y'a des civils qui montent sur le toit là, ils font quoi sur le toit là? Ouais, y'a plein de magasins si jamais vous avez besoin. Des civils sur le toit, t'as entendu? Ah, c'est pas la meuf qui filmait hier? C'est son téléphone. Non, je crois pas. Avec sa mini-jupe là-haut là? Non, je crois pas que c'était. Ah, ouais, carrément. Ah ouais, carrément, elle est descendue comme ça. Il est 23 à 25. Voilà, capitaine, dis-lui. Effectivement. Voilà, capitaine. Capitaine, il est vraiment charismatique en vrai. T'es de fou avec son petit débardeur moulant là, t'as vu? Ouais. T'as vu quand ça lui ressort ses pecs? Écoutez, vous avez deux voitures autour de vous là. C'est qu'il a un petit flow, j'aime son style. Ouais, vraiment. Mais quoi, t'as vu, stylé hein, son style? Débardeur, holster, jean noir, chaussures blanches, c'est un peu incroyable. Dis-le en radio, Riz. Vas-y, trop les couilles, t'as pas le couille. Dommage, il a pas une queue de cheval. Ah, Riz, t'as pas les couilles de lui. C'est pas grave, ça va aller. Non, j'ai pas les couilles. Venez, votre arme, je vais vous donner des mouchoirs, vous inquiétez pas, non, venez. Laissez votre arme, venez. Non, les mouchoirs sont plus là, et là. Si, ils sont à la menthe en plus, nos mouchoirs. Il est 24, dépêche-toi, gamin. Vous là. Il est où qui crie? C'est qui a dit tes élus? C'est la date. 18 secondes. Pantalon blanc là, elle a dit il est où qui crie? Un problème d'allocution. C'est un indice. Approche. Là, il va partir avec la voiture nord. Top, les voitures, top maintenant. Ah, il ne descend pas. Ok, on est les premiers. Vas-y, concentre-toi. C'est bon, vous êtes deux voitures en plus. Ah, le meilleur conducteur. Le meilleur. Mais quoi, il y a rien. Si. La tête d'homme, quand même. Double pas. Allez, mon grand. Exemplar. Non, c'est rien. La voiture ne fait pas le pilote. Commence pas, mais ça me décide comme ça dans la tête là. C'est vrai. La voiture ne fait pas le pilote. C'est bien les cadets, je suis fier de vous. Eh, hey, bombarde, espèce de sale merde là. Je suis au max. Oh, t'es cadet, prends ta gueule. Pardon. Allez, grosse merde, vas-y. Pas grave. Regarde, moi je suis tes yeux, d'accord? Vas-y. Ne fais pas des trucs de fou pour essayer de le suivre du regard, je le fais moi. Ok, moi je suis la radio. Gauche, après droite, encore droite. Vas-y. Droite encore. Non, tout droit. Ouais, droite. Droite. Sa voiture, elle va plus vite, sa mère, ce bâtard. Gauche, petit renforcement. Oh mon dieu. Qui ça? Tout droit. Freine pas. Tout droit encore. Il faut se réveiller en radio. Vas-y, suis, à gauche. La course poursuite, les gars. Droit. Je vois pas. Tout en bas, il a pris l'autoroute. Ok, bien joué, ça m'accroche.
Oui, parce que vous étiez seul. Pas la peine de parler comme ça. Là, tu le vois en bas. Je le vois là-bas. Ouais, bombarde pas. Faut qu'une autre voiture prenne la poursuite en vrai. On est sur l'autoroute direction nord, à l'ouest. Tango 07. Autoroute ouest. C'est lui qui est devant là ? Ouais, c'est lui tout devant. Maintenant, je vois que radio et uniquement entendre la course poursuite, d'accord ? On les chope. On est toujours autoroute ouest. Il va passer devant la banque, mais il est en train de nous mettre une tempête. Ah, il nous faut des autres voitures là. Hein. Sa voiture est bien trop rapide pour la nôtre. Il a pas pris la banque. Il a tourné quelque part. Il a tourné quelque part. À gauche peut-être. Je sais pas. Il a tourné quelque part. Attends. Derrière toi. Attends. Prends à gauche. Là à gauche. Ouais. Tente-le. Ouais. Prends la gauche. Aïe. Il a pas continué. Tango 95. Il a pas continué sur la freeway. Il a pris à gauche vers soit la banque, soit les magasins. Regardez la banque. Vas-y, à droite. Prends à droite. Donc vers la plage, c'est ça. Ouais. C'est ça exactement. L'accident était magnifique, ça. Incroyable. Je te jure. J'ai encore parlé à voix haute, mais putain, pourquoi je parle à voix haute tout le temps? Vérifie! 95, t'es nul en pilote! Non, la tête d'homme que non! Ah, c'est la voiture, il peut rien faire! Non, mais il est encore là! Il est encore! Là, va à droite! Non, prends derrière toi! Moi, je t'aurais dit à gauche, non, regarde, à gauche! Oui, moi aussi, j'aurais dit à gauche direct! Tu prends à gauche, il est caché quelque part! Prends à gauche, descends sur la plage! Vas-y, à droite! Si c'est ça, je vais pas y agrailler, hein. En fait, il a pris soit là ou soit à droite vers la banque. Bah, moi je me suis dit, il a peut-être tourné sur la banque parce que instinctivement, quand t'es sur la voie droite, tu vas chercher à aller sur la droite le plus vite possible. Va voir vite. T'as capté ou pas ? Là, la droite, regarde, t'aurais dû reprendre. Voilà. Ouais, justement, par là. Instinctivement, vu que c'était sur la droite, tu vas aller sur la droite, donc vers la banque. Il nous a baisé. Est-ce que je pourrais avoir une demande de backup, s'il vous plaît ? Ouais, mais il avait un exemplaire, bâtard. Allô la banque, allez là. Là. Tu sais qu'il y a un monde où il est allé tout droit. Hein. Il est là, ouais, il est là tout droit. Vas-y, fonce. L'autoroute, tout droit. Tu le vois. Dis le radio. Attends, mais je le vois pas moi. Si, tout droit. Il vient de sortir de la banque là. On l'a retrouvé, autoroute ouest, direction nord. Bien joué ça. Vous inquiétez pas les gars, il a pris la gauche. Il tourne sur la gauche en direction de l'épicerie et du pont là où il se passe des trucs sur le pont des fois. Le petit ponton. Très précis, merci. Non, derrière. Je l'ai vu. Faire une demande de backup, c'est plus simple. Je sais pas faire. À gauche. Sur l'ordinateur de votre véhicule, vous pouvez faire une demande de backup. Non, je vois pas. Là ? Il est par là caché, il est caché. Tango Chemus, on est passé au niveau du pont de la base militaire, en attente. Il est caché quelque part par ici, hein. Prends à gauche. Unité pour le braquage de Super 8, s'il vous plaît. Oui, Tango 17, on se rend sur le braquage de Super 8. Ils sont partis à pied. C'est celle-là ? Oui, c'est celle-là. Alors la NCT pour la patrouille. Même si vous allez sur les ventes de drogue, juste ne supprimez pas l'appel, s'il vous plaît. Merci pour cette info. Merci, à vous, au revoir. Dame 92, on va repasser en radio 322. Attends, moi, ça plaît, je serais reparti par ici. C'est à vous, les cadets, attention à vous. Adam Ponce, on est en stand-by position au sud de l'autoroute de l'ouest, si jamais les... Tango 10 se transforme en Adam 10. Si jamais les individus redescendent vers le sud. Appelle uniquement les informations importantes, d'accord. Putain les bâtards. Ils sont à pied au niveau des petits magasins là, en face de la banque. Ils ont lâché le véhicule, ils sont à pied. Mais ils sont cachés. En attendant qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sur la course poursuite, peut s'occuper des brigades sur Superette, s'il vous plaît. Ah oui, Adam 87 en tirant. Super, merci. Ils nous ont baisés. Que dalle, hein. Tu penses les buissons ? C'est jamais, non ? Mais moi, je me dis, le mec, il aurait voulu se garer en panique. Il aurait pas pris le temps de faire un dérapage marche arrière, tu vois. Et après, Malcolm, c'est un cadet, hein, toi, il faut que je t'écoute à toi. Nous, on est un peu des noobs. Ouais, mais s'il m'a dit 100%, j'en suis certain, au bout d'un moment, cadet, on est humain, hein. Non ? C'est vrai, t'as raison. Putain, on est vraiment des sales merdes. Ouais, des grosses merdes même. Mais oui. Hein, cadet suprême. Je te jure. Rappelle de ça, gros bâtard, cadet suprême. Non, ça me dit rien. Ah ouais, ça te dit rien. C'est quoi ? Ah non, rien, t'inquiète. Non, moi je suis cadet depuis hier.
Ouais, ah ouais, t'inquiète pas. Ça restait longtemps, cadet. Et il est où? Manuel, je sais pas. Je suis au niveau du. Là où ils ont lâché le véhicule. Ok, on vient te récupérer. C'est quoi, cadet suprême, chef? Quand tu vas rester cadet toute ta vie. Tu vois, quand les gens ils vont monter en grade, sergent, capitaine, commandant suprême, et que toi tu vas rester cadet toute ta vie. C'est ça un cadet suprême. Bah, si je reste cadet, c'est que je le mérite. Non, peut-être pas, non. Pourquoi? Peut-être pas. Peut-être qu'il y en a, ils ont montré toi et qu'ils veulent que tu sois cadet toute ta vie. Ouais, mais à gauche. On va dans des débats, toi, là. Pour l'instant, personne n'en veut. Pour l'instant. J'ai l'impression que t'as la grosse sur la patate, chef. Non. Pas du tout. Mais alors là, mais pas du tout. Je suis là. Il est où? T12, on se rend sur le dernier vol de véhicule. Notre première inter, Malcolm, notre première. En vrai, on a géré, hein. On a géré, les gars. Mais on les a même pas arrêtés. On a géré, je veux dire, quand même, tu vois. Franchement, on a une autre voiture, jamais ils mettent à l'heure. Non, mais on a les bons calls, on a bien regardé et tout, c'était bien. Bah, pourquoi on a pris cette voiture alors? Bah, je sais pas, moi. On a que ça, cette voiture. Ah bon, on a que ça? Bah, à nos grades, oui. Ah merde, je suis officier, moi aussi. Donc. Par des personnes avec des masques d'animaux. Où ça? Vas-y, demande des. Chut! Ok. Banco 95, faites un demande de backup. Casse les couilles. Ouais, 10-4, je vous fais ça. Yes! T'as vu ou pas? Je ferai pareil que toi quand je serai officier. T'as vu ou pas? Vas-y, demande de backup. On se rend actuellement sur quelle avenue, direction Nord. Te promets, quand je serai officier, je ferai pareil que toi. Nous arrivons. Let's j'ai vu là, go là ça m'a donné envie d'être sérieux. Attends, j'envoie un vocal. En gros, ferme ta gueule, Malik. Oui. Bienvenue, direction ouest. Allo. Ouais, ça va, Sano. Je voulais juste prendre des nouvelles, voir si ta patrouille se passe bien. Nous, ça va, super. On a failli arrêter des méchants. C'est une meuf, ça va, Sano? Non, c'est un pote à moi, ça va, Sano. Quel bandeur. C'est un menteur. Mais non, c'est notre référente. Je prends des nouvelles d'elle pour ça, c'est tout. Ah oui, genre. T'es amoureux? C'est notre référente, c'est tout. Mais alors, c'est bizarre quand même. Je voudrais savoir comment ça se passe. Moi, ça va super. T'as mis quoi comme shampoing aujourd'hui? À gauche sur Movistar Way. Ça a rien à voir. A droite, vendredi, à droite, vendredi, contact derrière. Contact. On a dit on arrivait sur le backup, mais contact. Ouais, mais regarde là, juste à côté. Quoi? Y'a quoi? Vendredi, là. Ah, mais moi j'ai pas la map. Oh, comment c'est. Là, c'est grave ce que tu viens de dire. Bah quoi? Mais j'ai pas la mini-map. Tout droit. T'étais là. Ok, Civil Assault, c'est vraiment pas des professionnels. C'est un mec qui a pas voulu lui acheter la bœuf. Il a mis un mec qui a pas voulu lui acheter la bœuf. Il a trop. Fais gauche. Non, je suis officiel, je vais faire gauche, droite et re-gauche. C'est bon? Juste pour dire, c'est moi le PC ici, ok? Ok, pourquoi t'as fait gauche? Non, j'ai fait il droite. Il a fait un petit gauche. Peu à droite. Ah oui, okay. Voilà. Okay, pardon. Discret. Peut-être à gauche, peut-être? Ce sont des professionnels, je crois. Les salauds. Adam 10, actuellement 10-56, une voiture rouge occupée 3 fois. Vas-y, on les aide. Dis-le, on arrive en renfort. Tango 95, nous arrivons en renfort. Putain, mais c'est pas possible. Mais quoi? C'est comme ça qu'on prend l'école après, ils vont dire bon, prends avec sérieux. Après, Tango 95, nous prenons. Attends, il parle le menton en avance, bâtard. C'est comme ça tu vas parler ou pas? Moi je vais parler comme ça, ouais. Et le menton en avant. Vas-y, refais. Tango 95, nous prenons en compte la demande de backup, nous arrivons. Mais pas le menton en avant, le nez en avant. Le nez en avant? Bah oui. Comment tu mets le nez en avant? Tango 95, nous arrivons sur la demande de backup, hein, c'est ça mon spot. Tango 95, voilà. Nous arrivons sur la demande de backup. J'ai bien fait. Incroyable. Malcolm, toujours devant Riz, hein, ça change pas. Hein. Tango 95, nous arrivons sur la demande de backup. Je dirais juste tes fonces dés là. Bon, c'est bon, j'en ai marre aussi. Bientôt, je fais ce que je peux, les mecs. En vrai, c'était bien Riz, c'était trop bien. Merci, vraiment. Malcolm, merci. Oh, mais quoi? Quoi? Ok. Non, rien. C'est bon. Adam 11, c'était où la demande? S'il te plaît, officier. La personne à la poursuite de l'exemplaire de la voiture rouge, vous pouvez refaire une demande de backup, s'il vous plaît? De quoi? Il faut que tu nous montres là où ils habitent, les gangs. Ah oui, s'il te plaît. On sait rien du tout, vraiment. Ah, vous savez pas? Non, on connaît rien. Vous savez pas où? Les gangs? Lui non plus, allez. T'as une position, c'était ici. Lui non plus. Ok, mais juste. Lui non plus. Chut. Ok, vas-y. Non mais ils l'ont perdu, ça sert à rien. Il a dit dernière position. C'est là-bas. Ah, dernière position. Ouais.
Fais-nous montrer un peu là où ils habitent, s'il te plaît. Dis-nous c'est qui, voilà, etc. Donc là, vous avez le gang des Panthères Noires juste à droite. À droite. Allez, 95. Là, là, à droite, là. Quoi pas... des quoi. Écoute. Mais regarde, c'est écrit Serenta, c'est pas possible. Donc, c'est écrit Serenta, donc ça peut pas être les Panthères Noires. Quoi, ils vont marquer Panthères Noires. Hein. Ouais, genre, ok, faut pas rendre le mec dangereux. Donc, faut qu'il y ait écrit Panthère Noir pour que ce soit un gang, c'est ça? Ah oui. Okay. Peut-être c'est le gang des Serenta. Bah, ouais, ouais. 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 Non, mais sérieux, on sait même pas où ils vivent les gangs. Non, je vais vous montrer. Mais les gars, ce que vous allez voir aujourd'hui, vous êtes cadets, je suis pas censé vous le montrer. Ok. 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 Donc, tu savais ce qu'on avait fait hier? Non, il sait pas. Vous avez fait quoi? Rien, on a rien fait, on a patrouillé, c'était super. Super instructif. C'est tout? Ouais, c'était ah tout. Là, c'est bien les cadets. Un jour vous serez grand. Vous avez quel âge, le jeune? 23. Ah, waouh, vous êtes jeune. Et toi? 25. Quoi? Mais t'as 2 ans de plus, c'est tout? Mais 2 ans, ça change tout, mon pote. Ok, est-ce que t'es plus genre. Accent circonflexe. Tu t'en bats les couilles, genre. Tu vois qu'on tase un mec, quoi, normal. C'est quoi? C'est. Faites ça aux filles que vous draguez, je vous jure ça marche. Quoi? Ça marche bien. Ah, c'est toi ou c'est moi? Ah, ça va recommencer. Non, par pitié. Non, c'est bon. Je crois que c'est bon. Là, juste à gauche, vous avez le gang, le pire gang du monde. Ouais. Oui, pardon, moi aussi là, okay. Je suis en pleine course-poursuite, mais okay. Ça va très très bien. Genre, t'inquiète pas pour moi. Voilà. Ils nous ont cassé les couilles, ceux de Liberty City. Mais on les a allumés. Bon, tu travailles à Liberty City, toi? Vraiment. Ouais, je travaille à Liberty City. Ah ouais? Pourquoi? Ah mais ça veut dire que t'as participé à la catastrophe là qui s'est passée là-bas? Ah c'est ce qu'on avait, ouais, on avait entendu, ouais, parler, ouais. Oui. Ouais. Tango 17, on se rend sur l'appel numéro 69. Et du coup ici là, juste à gauche, vous avez les Vagos. Normalement ça vous le faites pas. Mais en gros dès que votre leur chef, si la meuf que vous draguez, là, ou le mec que vous draguez, ouais, aussi, bon, les filles, bon, hein. C'est bon, ils sont tous morts, hein, je crois. 4-5 minutes, ouais, ils répondent pas, vous mettez REP accent circonflexe. Et c'est broken. Je sais pas c'est qui. Vous avez vu, ça marchait. Je vais pas vous mentir, ceux de Los Santos. Regardez, elle a répondu direct, hein. Pas trop au courant, moi j'étais plus un homme d'action. 2 minutes. Vous savez que j'étais à la DOA, hein. Attention. Ah ouais. Ah ouais, pas n'importe qui. C'est quoi la DOA? C'est la Division Official Annunciation. Non, Division Official A Drug. A Drug. 64 pour Tango 17. Ah c'est marrant, cadet. Oui, 64. Appelez-moi sur mon TPH s'il vous plaît. Oh! Riz, c'est toi qui a répondu! Bam! Riz, il est en train de l'appeler! C'est elle! Oui, Vastano! Oui, c'est la Tango 17! Non, mais t'as besoin d'aide? C'est parce qu'on a besoin de renfort sur une course-poursuite! Bah, on arrive! Tu nous dis c'est où on arrive? Bah, je suis là sur la DPO Freeway et je vais en direction du. Malade ou quoi? La DPO Freeway? Quartier Marabunta! Comme ça, j'ai fait faire un accident! On arrive, c'est ça, Vastano, on arrive! Non, comment? Vas-y, ça marche. Non, on fait demi-tour, on repart quartier Marabunta, ouais. Là, vous êtes en course poursuite là encore là? Oui, là, non. Ok, fonce quartier Marabunta, il y a une course poursuite de Vastano. Je t'envoie des posts sur ton numéro. Vas-y, envoie-moi des posts. C'est où quartier Marabunta? Il faut qu'on aille aider Vastano, elle est en course poursuite. C'est où là, quartier Marabunta? Je gauche. Tu connais maintenant, hein? Tu connais, hein? Ouais, comment ça se fait que tu connais là par contre? Comment ça? Bah, je connais. Mais attends, je te mets les positions. Elle m'envoie des positions. Et parce que j'ai déjà regardé un reportage sur les Marabunta, ça a rien à voir. Ah, ok. Je l'assure, je vis 24/24 avec lui, il a jamais vu de reportage sur le Marabunta. Mais si, ils font de l'UFC là-bas, à chaque fois ils font des compètes. Ah oui, Diaz et tout là. Ok, mais va au pied de position là, tu vas où? On y va, c'est pareil. Elle peut être en danger, peut-être qu'elle est en danger. Ah oui, ah là. Plus qu'on arrive à l'autre bout de la ville aussi là. Ah putain, on en fait des kilomètres pour une meuf, hein, c'est ouf, hein. Ah putain, on en fait des kilomètres pour une meuf, hein. Le mec a pas de répartie. Mais c'est quoi ça, mais arrête. C'est mort, le rageux. Ok. Alors, on se concentre, les gars. Ok. Je souffle. Ah, on se concentre là. Ok, pardon. Tu devrais prendre l'arc à contre-pied. Parce que là, on est en train de faire le tour. Genre là, j'ai regardé le GPS, ils sont parfaitement à l'opposé de là où on est. Oui, c'est normal, on est sur l'autoroute là. C'est quoi une autoroute? Non mais en gros, je crois qu'il fait... Attends. Ouais t'as vu, en fait, il fait le tour. Oui, ouais. mais en fait, on prend l'autoroute. Bah là, on va faire sur la nationale. T'as capté ou pas? Ouais. Là. D'accord. Ah, chut, on les entend. En dessous de nous, putain! Attends, je sais pas si c'est eux.
Elle m'aurait renvoyé notre poste, cette mongole, non? 64 pour Central, arrêtez d'appeler le dispatcher, il est actuellement en course poursuite, merci à vous. C'est eux. Ok, parfait, là, c'est après. Parfait, là. Oh, tu les as trop bien. T'es sûr, c'est eux? Bah, appelle-la. Oui, oui, c'est bon, c'est là. Elle m'a envoyé la poste, là. Vraiment trop fort. Ouais, les autres, elle est cassée, je pense que c'est pour elle. Tango 07 1041, tout secteur. Mets les gyros. À gauche! À gauche! Pourquoi t'as fait ça? Il s'est évanoui. Non, il s'est pas évanoui. Si, je te jure. Regarde, c'est moi qui conduis. Ah ouais? 07 ouais, 19 okay. Ok, conduis, vas-y. Putain. Riz, on a un deux patrouille, regarde. Ah, je veux les gyros. C'est incroyable. C'est Riz. C'est bon. C'est pour Vastano. Need for Speed, tu te rappelles Need for Speed? Ouais, je m'en rappelle. Vastano! C'est moi, je conduis, regarde, c'est moi, je conduis. Regarde, c'est Riz. C'est mon coloc. Non! Non! Go! Attends, je traverse la zone à risque. Ah, c'était une zone à risque? Bah, je crois, puisqu'on a été deux. Ok. Y'a que moi qui a eu un problème ou... Non, mais moi j'ai repris le volant de manière héroïque quand t'as eu un problème. Et après, j'ai eu pareil. Ah, merde! Elle les a encore en chasse ou pas? Ouais, vous êtes mes yeux? Ok, on est tes yeux. Ah, on est tes yeux. Ça va, Vastano? Oui, ça va, et vous? Ouais, ça va. Pour rien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien, il voulait te voir. Ah, ok. Bah, oui, ça va. En plus, j'ai vu, vous avez été très réactif, c'est très très bien, Rookie. Eh ouais, mais tu m'envoies une poste toutes les deux minutes. Il a été super. Non, je te jure que je te spammais, sauf que, évidemment, mon téléphone me disait de me calmer. Merci, Vastan, merci, hein. Bah, pas de soucis, de rien. Heureusement, Vastano. 95. Ouais, je le savais. 95, je te présente Vastano, c'est notre référente. Bonjour, Vastano, c'est ta référente? Ah? Oui, c'est ma référente. Vous êtes sa référente? Oui, aux deux. Du coup, Vastano, regarde, je suis là aussi. Ça va, Malcolm. Le colloque de Riz. Du coup, pour l'instant, c'est quoi la référence? La référence, pour l'instant, c'est que faut qu'il se calme sur les drifts au quartier. Et ils ont fait quoi hier? Parce qu'ils voulaient pas me dire, apparemment. Non, on a pas de drift dans le quartier des Ballasses, non. Ils ont fait quoi hier? Ah, ils sont là. Ah, c'est bon, là? Non, mais KD, remonte dans ton véhicule. Putain, c'est un KD, lui? Non, c'est pas un KD. C'est pas un KD? Non. Pourquoi ça, Vastano, elle est pas trop gré avec d'autres KD? Du coup, arrête-toi! Ah bah, démarre, c'est bon. C'est une chiburée qu'il a? Ouais. Quelqu'un qui se déclare ça pour c'est le vraiment un bon véhicule. Hein. 14, ouais. Tango 17, on se rend sur le dernier appel. Hey, y'a Shemus qui m'appelle. Allo Shemus? Oui, je suis en train de faire une course poursuite avec Riz 95. Et toi? D'accord. Ok. Je viens avec Riz? D'accord, je viens avec Riz. T'es sûr de ce que tu fais là? Je fais quoi? Rouler sur le trottoir, ça va, KD? Oui, et toi? Ça va? Non, ça va pas là, KD. C'est du grand n'importe ouais, quoi. C'est pas mon référent, je m'en bats les couilles. Espèce de gros. Quoi? Quoi? J'ai fait un rapport sur ta gueule, c'est bon? Regarde Vastano, la tempête que je lui ai mis. Ah, il va manger. Putain, c'est Vastano. Mais c'est pas Vastano qui conduit. Ah, j'avoue, tu marques pas. Y'a Shemus qui veut nous voir après, il nous envoie une pause. Enculé, Shemus. Oh putain. Oh, KD, prends pas trop la galette, hein. Ok, là, c'est moi tes yeux. Mais putain, on est en train de poursuivre 4 trous de balles, j'ai trop la haine. On va les arrêter, on va les ramener au commissariat et le capitaine il va nous dire, mais tu nous as ramené 4 trous de balles, on s'en bat les couilles. Non. J'avoue. Ils ont fait quoi? On sait même pas ce qu'ils ont fait. Attends, mais. Attends, je rappelle Vastano. Demande-leur, ils ont fait quoi? Ah oui, non, mais c'est. Attends, t'entends. Ah, okay, bon. Je suis à la clôture, je suis. Vous nous avez perdu? Abandonne la poursuite. Oh non, on les a perdus, mais là, on va chercher. La on est toujours derrière nous. Ok, bah, si t'envoies pas des poursuites, s'il te plaît. Ils ont fait quoi eux déjà? Ils sont armés? Braquage de supérette. Braquage de supérette. Avec prise d'otage. Braquage de supérette? Riz, abandonne la poursuite. Par pitié. Ouais, vas-y. Allez Riz, abandonne la poursuite. Attends, ils vont faire un rapport. Mais à gauche, je peux pas. Ils ont tapé. Ah mais sérieux, on va se taper une procédure. Descendez tous. Ah ouais? Oh les cadets, vous faites quoi là? Je suis désolé, on s'est dit que peut-être qu'ils pouvaient être dangereux. Arrête de les tailler. Ok, qui c'est qui a l'argent de la supérette? Qui a l'argent de la supérette? Qui a l'argent de la supérette? Vas-y, t'as l'argent, c'est bon. Pourquoi tu l'as tassé, Malcolm? De la supérette. Tango MCD, on est en 256. Malcolm, attends, pourquoi tu veux qu'il aille vers toi? Viens vers moi. On va prendre des paquets, on a besoin. Arrête de le tasser, pourquoi il le tasse? Arrête de tasser, Malcolm. Kingis qui a l'argent. Qui c'est lequel? Allez, c'est lequel? C'est lui l'argent. Il a été braqué. On l'a perdu.
44 $ Mettez-vous contre la murette, mettez-vous contre la murette tous les 4 là. Mettez-vous contre la murette. Attends, attends, viens, on est pas le quand même. 44 $ On va juste les fouiller, on va juste les fouiller. Non, mais, vas-y, vas-y. Pour Vastano. Vas-y. On pourrait pas fouiller. Allez, allez, on va vous fouiller pour Vastano. Allez, allez. Attends, allez, laisse-moi. Qui Vastano? C'est la meuf que je drague. Meuf, c'est la femme de sa vie. Enlevez, retirez vos masques. Et les laissez partir. Oui, mais retirez vos masques pendant la procédure, s'il vous plaît. Oh, d'accord, pardon. On enlève, on est sérieux, les gars. Salut. Salut, madame. Oh, vous êtes incroyable. Belle coupe. Vous êtes incroyable. M'attendais pas à une coupe comme ça. Incroyable. C'est incroyable. C'est moi qui conduisais, Vastano. C'est moi qui conduisais. C'est parfait. T'as vu, Forza? T'as vu, madame? T'as vu même que je t'ai donné toutes les indications où est-ce que j'allais pour que tu me suives? Non, mais c'est pas moi qui étais sur. Bon. J'étais juste derrière moi. Bon, en même temps, c'est normal qu'on se fasse attraper. Tu mets tes clignotants. Bah ouais, mais j'ai mis mes clignotants exprès pour que comme ça vous soyez pas trop perdus. Et au final, bah y'en a, j'en ai perdu. Heureusement que Riz y conduisait, hein. Ah là là. Merci. Riz, il a vraiment bien conduit. Merci 95. Merci Malcolm, merci. C'est bien Riz, je suis fier de vous. Franchement, il a bien conduit, Patrice de Riz, c'était pro. Il a conduit comme un beau gosse. Merci. Vastano, je propose qu'il nous donne l'argent. De oui, non, mais c'est ça qui va se passer. Oui, non, mais c'est ce qui va se passer. Mais elle a donné les 44 $. Bon, écoutez. 95 et Malcolm, vous faites la procédure, moi je repars pas trop avec Vastano, d'accord les mecs? Allez, à toutes. Vas-y. Espèce de sale traître. Mais je espèce suis de déjà traître avec... de merde, va. Pourquoi traître. Ah, ça se passe comme ça maintenant. Non. Si, si, ça se passe comme ça. Attends, maintenant. Tu lâches ton frère pour une meuf. C'est qui qui les a arrêtés? Oh, la dinguerie. Qui les a arrêtés? C'est qui les a arrêtés? Non, mais... Dis, tu vas, je vais aller avec Sébastien. C'est Riz. La raison a ses raisons que le cœur ignore. C'est Riz. Vous le faites tous les trois. Ça marche. C'est Riz qui l'a attrapé. C'est bon, qu'est-ce sa mère, je te jure. Malcolm, qu'est-ce sa mère. Tu trompes le blond. C'est bon. Je peux pas les trompes sur la police, j'aurais pas aidé. Tu le trompes lui. Attends, qui trompe qui? Elle te trompe, elle sort déjà avec quelqu'un. Mais non, mais on est pas en couple, elle et moi. Ouais, mais elle a dit comme quoi elle voulait faire des enfants avec toi, te faire des bisous sur la bouche. Ah, elle a dit ça? Ouais. Non, j'ai pas dit ça du tout, je n'ai pas dit ça du tout. Elle a répété ça. Ah, les gars, elle a dit ça, ouais. Elle a dit quoi? Ah ouais? Elle a dit quand? Vous avez 3 secondes pour tous partir là. Allez, 1. Attends, finis ta phrase, pitié. Ils nous ont douillé. Pourquoi? Mais ils ont pas rendu l'argent. $44 Ça se trouve, il avait rien, dans la caisse. Pourquoi il est ça, les petits pros? Non, ils sont bourrés, je pense. Pardon. La conduite sera remontée au crâne, rookie. Riz. D'accord. Tu veux pas travailler avec nous en quadrilleur? Ça s'appelle un X-ray, mais négatif, on n'a pas le droit de faire des X-ray. D'accord. Oh. Voilà, Laurent, on y va? Pas trop là, vous? Oui, Laurent, on y va? Oui, Laurent, on y va? Fils de pute, va! On parle là. C'est vraiment que vous parlez là? Pardon. pardon, vraiment. Je suis désolé. C'est quoi votre matricule à vous? Non, rien, c'est 95. Ok, lui c'est qui? C'est quoi ton matricule, Laura? 95. Alors, des fois, je sais pas de mytho, je sais juste qu'il s'appelle Riz, je sais vraiment. Okay. Ah, je suis vraiment désolé, ça fait tout seul. Vous après, c'est pas grave, c'est rien. Mais non, mais attends, les profs, vous êtes quel grade vous? C'est rien. C'est 3. Ah mais ça va. C'est bon, j'ai cru que c'était sergent. Vous pouvez m'insulter là. Bah oui. Non, okay, bon, mais c'est vrai. Ça arrive à tout le monde dans cette situation. Tu t'insultes. Arrêtez de taser, au pire vous donnez des coups de matraque, mais arrêtez de taser parce qu'après c'est horrible pour eux. Ok, bon bah au revoir hein. Au revoir, à tout à l'heure. Et sans patrouille, stay safe, Sue. Vastano, mais arrêtez de tout tasser. Vastano, tu me dis si jamais t'as besoin de venir patrouiller avec nous, ok? Mais pas de soucis, je sais. Pas de soucis, je... Prenez soin d'elle, Allez, ciao les mecs. Bonne patrouille. Bonne patrouille avant. Ils sont 3 officiers ensemble, attendez, c'est quoi le bordel là? On est un officier et 2 cadets. Fils de pute. Il m'énerve, t'as vu comment il gonfle devant elle. Il gonfle les pecs. T'as vu, ça c'est les mecs qui veulent rabaisser devant les meufs, ça j'aime pas ça. C'est lequel que t'aimes pas, c'est lequel? Avec les autres là, avec les cheveux noirs. Écoute, goule les gantés mon chop, c'est bon maintenant. On était notre officier normalement. Qu'est-ce que tu fais là? Bah oublie. Non vraiment, le premier, autant le deuxième fils de pute il était prémédité, mais le premier fils de pute il est vraiment sorti du plus profond de mon cœur. Sérieux? Oui, tu le pensais vraiment? Ah ouais, c'est... La haine et tout. Non, ça se sentait, il a dit fils de pute. Il a pas dit fils de pute, ouais. Il a dit fils d'ap. Écoute, les giros. Mais prends t'as les giros. Attends, mais Yaris, il voulait vous voir là. Non, c'était Shimon, mais vas-y après. Shimon.
Parce qu'il veut qu'on fasse de la chasse en fait. Hein? Il veut qu'on aille chasser. Par contre, les quartiers, les quartiers, s'il te plaît. Les gars, ouais. Les tasers, on va se calmer. Pourquoi vous avez tasé 4 fois les mêmes personnes? Mais c'est Malcolm, il tase, il aime trop taser ce mec. Mais à Malcolm, faut arrêter de taser Malcolm, hein. C'est vrai, je prends pour Riz, c'est moi. Attends, c'est quoi ça? T'as pas mal au cœur un peu, Riz? C'est quoi ça? C'est un gros poisson, ça. Ça, c'est des gros poissons, ça. Ça, c'est du big fish. Oh, t'as plus la merde, le véhicule, il pue la merde, vraiment, il est nul. T'as vu l'accélération, on va? Oui. À gauche. Il est déjà à l'autre bout, frère. Et je sais plus. On l'a perdu. Je suis persuadé qu'il a pris à droite. Ah, il est pris à droite. Bah oui, il avait pris à droite, mais. Ok, mais vas-y, va dans les quartiers, je te jure. Moi, je suis trop fort, mais putain, mais je suis trop fort. S'il te plaît, fais le tour des gangs, s'il te plaît. Vas-y, on y va. Pourquoi t'as un problème avec les gangs? On veut juste les voir. On veut les voir, avoir des informations de là où ils vivent et faire ouvrir un dialogue avec eux, tu vois. Ouais, venez. C'est que vraiment, là, ce soir, j'ai envie de faire des trucs de fou, sérieux. Calme-toi. Calme-toi. Mais pourquoi tu prends une petite voix mielleuse quand tu dis je veux faire des trucs sérieux? Bah, c'est vrai. On va chez les 50. Les 50, hier, ils nous ont tabassé. C'est qui les 50? Les quartiers Ballas. Ah, vas-y, va les voir. Tu veux pas que quelqu'un d'autre conduit? Ouais, j'avoue, j'ai des bails chelous. Hein. On est d'accord. Tu veux que je conduise? Vas-y, conduis après. Attends, vas-y, laisse-moi le voir. T'inquiète, on arrive chez les 50. Vas-y. Tiens, tu me déçois un peu. Je pensais que t'allais taper un drift. Bah oui. Non. Oh yeah! Est-ce qu'il y a un représentant de ce quartier, s'il vous plaît? Pas besoin de crier, les gars, y'a quoi? Hein? Ah oui, déjà, il commence à donner des ordres. Bon, t'as vu, j'aime pas. Bon, je sors mon taser. Je rigole déjà. Rends ton taser. Non, hier, ils nous ont frappé vraiment. Ils nous ont frappé hier. Ça va, les membres? Moi, je t'ai frappé, moi. Oui. Ça va? C'est quoi? Non, on vient la parler, on peut parler avec vous quand même, non? Vous allez pas nous. Bah écoute, hein, non, y'a pas d'embrouille, mais hier on est enfin... Bon, je sors mon taser, attends, je me sens pas en sécurité. Attends, ok, je fais comme Riz. Range mon taser. Je fais comme Riz, je range mon taser. Eh, sortez du véhicule tout de suite là. Ouais, bon, tranquille. On est là pour parler, comment c'est pas? Tranquille, on va parler. Voilà, c'est bien. Oh, les types, tenez vous à carreau, j'ai mal au crâne ce soir. C'est qui le représentant légal de ce groupe? C'est moi le représentant légal. Ok, donc, monsieur, quel est votre prénom, monsieur le représentant légal? C'est 50, mais je suis pas un représentant légal, c'est moi qui gère quoi. Yo, ouais! Son prénom, c'est un numéro, frère. T'as vu, c'est marrant. Il s'appelle 15, mais non, 50. C'est 50. Bref, regardez. Nous, on est là pour faire régner la loi dans cette ville, tu vois ce que je veux dire. Mais le problème, c'est qu'apparemment, vous agressez des collègues à nous sans aucune raison. Tu veux ma version? Tu trouves ça normal, Justy? Moi, j'ai eu leur version, ils ont rien fait du tout. Apparemment, vous les avez accusés à tort et vous leur avez fait du sale, mec. Exactement ce qui s'est passé. Vas-y, j'écoute. Du coup, déjà, il n'y a pas que, hein, parce qu'il y a quelques temps, moi, je suis arrivé que récemment de Liberty City, un peu compliqué, tu vois. Bah, comme moi, c'est, t'inquiète. Bah, voilà, tu vois, c'est un peu bordel, t'as suivi ce qui s'est passé, du coup, j'ai besoin de t'expliquer. Je suis arrivé ici, et on m'a raconté des trucs avant, tu vois, il y a des mecs qui ont eu des fusillades, ils ont tué un gamin de 16 ans ici, tes collègues, tu vois, et ça veut pas assumer. Donc, c'est un peu le bordel, on est un peu tendu avec les gens. Il y a des preuves comme ils ont tué un gamin de 16 ans? Ouais, le gamin, il est mort, il a la mort, avec une balle dans le ventre. C'est une belle preuve. Et une balle de policier ou une balle de. Non, mais c'était pas nous, nous on est venu dire bonjour hier. Écoute, je fais juste, je t'explique pourquoi quand vous arrivez comme ça. Chocapic, yo, t'es carrément con! Mais il fait quoi là? Je l'arrête! On a la loi, je vous arrête! Il va jeter des trucs! Arrête, bien sûr, je le veux là! Chill, mais non, les gars, je jetais la balle pour le chien! Avance! Non, y'a rien! Y'a quoi là? Il va jeter le balle! Il nous KSC, filmez les gars, filmez! Il est mineur, yo, il est mineur! Il va jeter le balle! Yo, je suis mineur, les gars, je suis mineur! Eh, démenote-le! J'ai pas de clé de belote! Démenote-le, les gars! Je te jure, j'ai pas de clé de belote! Je demande pourquoi c'est le bordel quand il passe! Quoi, je vais garder les menottes! Yo, il est mineur, les gars! 50, filmez, les gars! Non, mais les gars, arrêtez de filmer! Comment vous voulez nous un dialogue avec des gens comme vous? Attends, frérot! 95? Ouais. T'as vu le mec derrière? Qui? C'est celui qui avait le scorpion? Qu'on a poursuivi avec l'exemplaire blanche? Venez, Oh non, mais on fait comment? Riz, venez, 95 et Riz!
Ouais, on y va, vas-y, les forts. Venez, venez, les gars. Eh, attrapez la voiture. Pilote, laisse-moi pilote, laisse-moi pilote. Yo, il est mineur. Écrase-les, rien à foutre. Attends, je lance des cailloux. Il est mineur, yo, démêle la plaie. Oh, fils de voiture, la voiture. C'est bien. Les gars, putain. C'était le mec, c'était le mec. Les gars, on appelle des unités, on chope le mec, là. Il est parti, c'est quoi comme voiture avec laquelle il est parti? Exemplaire noir. Non, c'est pas un exemplaire, c'est pas un exemplaire. Bah, je sais pas. C'est quoi comme voiture noire? C'était genre... Une deux places. C'était une deux places, ouais, une deux places, voiture de sport. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il a pris à droite. Vas-y. Je suis pas sûr, je teste. Ah ouais, c'était une Corvette. Ah ok. Je crois que là-bas, il a pris à gauche. Je crois que c'était une espèce d'oracle. Une espèce d'oracle. Je sais pas comment ça s'appelle. Genre un truc comme à droite, là, un peu comme à droite, un peu comme à droite, tu vois, moi en plus sport. Attends, mais on sait que traîne plus utilisé, moi. Bah oui, mais tout à l'heure, il était dans le quartier des Brésiliens. Ah, c'est une pute, le mec, quoi. Mais là, c'est mort, il nous a mis une tempête de fou. Ça ressemble à quoi? La voiture. Ça ressemble à Joe collègue. C'était une voiture de place un peu basse. T'es sûr que c'était pas un exemplaire? Bah sûr que c'était pas un exemplaire. Les collègues, nous avons repéré l'individu qui avait un Tech 9 tout à l'heure. Il est monté... Scorpion tout à l'heure, il est monté à... Ok, on va aller voir cacher des Brésiliens, on sait jamais. Type sportive, deux places. Ah mais faut qu'on trouve d'autres quartiers que le quartier des Brésiliens. Mais non mais pour voir si lui il retourne là-bas. Ah vas-y. Non, ok, mais c'est trop tard, ça y est, tu m'as fait changer d'avis. Dernière fois qu'on l'a vu, c'était au quartier des 50. Oh, arrête de répéter ce que je dis. On l'a vu. On dirait que ça ressemble à un quartier. On l'a vu au quartier des 50 et il a pris la fuite. 95, ça c'est un quartier? Ouais, ouais, c'est un quartier. Ouais, mais attends, mais je connais pas le nom des mecs, je sais que c'est un quartier quoi. Voilà. Bah, par contre, fais gaffe quand tu roules. Pourquoi? Fais attention à pas écraser les gens et tout quoi. Mais parce qu'il se mettait devant le véhicule. Parce que pour l'instant, on connaît un quartier. Deux quartiers, les Brésiliens. Non, Vagos. Vagos, non? Tu connais pas Vagos? Mais j'ai pas vu de Vagos, toi. T'es fatigué? Non, ça va. Un peu, mais ça va. Genre, un peu, mais ça va. C'est normal, c'est 15 heures de LOL. De c'est wow. Normal, 15 heures de WoW. Hein, normal. 15 heures de WoW. Hein? Ça demande de l'énergie, de pex. Je suis niveau 50. En deux jours. En vrai, t'abuses, en vrai, t'abuses. C'est ça, les jeux comme ça, c'est une dinguerie, frère. T'es pris dessus, frère, c'est une dinguerie. Waouh. Quoi, après, t'as joué? Genre, c'est comme si tu t'es arrêté et après, on était plus arrêté. Oh non. Immédiatement, s'il vous plaît. Oh non. Pour tout le monde, pour tout le monde. Ah, que nous, que nous. Que nous. Mais vas-y. Force à vous. On n'y va pas. Non, mais 95, tu nous défends? Tu vois bien qu'on fait le taf quand même, on n'est pas des mauvais garçons. Non. Franchement, c'est bien parce que vous êtes jeune, je vais essayer de vous défendre. Merci 95. Ça va être dur comme défense. Tu penses que taser un mec dans son quartier et le menotter dans son quartier. Je pense vraiment qu'on va virer. Non, il m'a agressé avec une balle. Une batte. Une balle. La batte, on dit la batte. Non, une balle, une balle. Quelle balle? Il m'a jeté une balle dessus, je te jure, je l'ai pas tassé pour rien. En gros, je l'ai vu, il me visait avec une balle, sorti mon taser, il a lancé sa balle, elle a atterri dans ma tête. Ah merde. Eh oui. Je te jure, tu vois bien que je suis pas un mec violent. T'as tasé 4 fois un mec tout à l'heure. C'est Malcolm. Vous avez le don de vous rendre la balle tous les deux. Ça va monsieur? Malcolm, Miri, 95, on est au PDP. Venez sur le parking derrière. Ah, sur le parking. Officier. Et tous, nous partons en 1056, vous faites un noir au niveau du béni. Toi et moi on y va. Une demande de backup en cas d'assistance nécessaire. Est-ce que vous étiez avec quelqu'un d'autre ou pas? Oui, il y avait 95, il arrive. Tu peux repos. Merci, c'est gentil. Est-ce que vous savez pourquoi on vous convoque? Parce que tout à l'heure on fait un très bon travail et vous voulez nous remercier. Qu'est-ce qu'il y a? C'est gentil, merci. Sûrement pour ça. Bonjour, officier 95, je suis en charge de ces deux personnes pour la soirée. Ok, très bien. Excusez-moi, Mathias, vas-y, dis déjà ce que tu dois leur dire. Capitaine, on reprend le lit sur la poursuite. J'ai pas envie qu'on aille dans le truc du capitaine et tout ça, casse tes couilles, tout ça. J'ai pas compris. Les acteurs. Vous insultez-vous? Oui, moi, deux fois. On est d'accord. Non, mais oui. On a la même coupe de cheveux. Mais laissez-moi parler. Ok? On sortait d'une course-poursuite. Attendez, j'éteins la radio parce que là. Attendez. Voilà. On sortait d'une longue course-poursuite. On a été pris en chasse par un homme avec un Tech 9. Ensuite, on a pris en course-poursuite 4 petits clampins
qui nous casse la tête. Donc désolé, mais les personnes qui sont devant vous sont des cadets. Attends, laisse-moi terminer. C'est lui ton mec. Vas-y, oui, mais en fait ça sert à rien de sortir l'histoire, je veux juste te dire un truc. Ok, il vous insulte. Il y a pas de problème, ils en sont désolés. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé d'en arriver là? Justement, on fait en sorte qu'on en arrive okay, pas. Ok, mais est-ce que sincèrement, on est obligé de prévenir tout le commissariat entier pour un fils de pute? Ou est-ce que vous auriez pas pu venir nous voir, nous, ou voir Riz, cela seul, et pas qu'il y ait tout le commissariat pour un fils de pute? Écoute-moi. Écoutez. On a un problème, toi et moi. Toi, t'es amoureux de Laura, moi, je suis amoureux de Laura. Maintenant, viens, on va plus loin. On va régler les comptes. Mais j'en ai rien à voir. Voilà, exactement, Riz. Ah, mais attendez, j'ai juste un truc. Celui qui gagne, il gagne le cœur de Laura. S'il vous plaît, vous pouvez me laisser parler. Ouais. Est-ce que vous êtes allé au quartier des 50 Boys là? Non, pas spécialement. Est-ce que t'es sûr? Bah, on a 50 Boys, oui, et la raquette. La raquette. Ah, c'est vers les. Oui, tu vois très bien. Ah, Grove Street, oui. Tu vois très bien de quoi je parle. Grove Street, oui. Oui, pourquoi? Ok. On a. Et vous avez attaché un mec. Vous l'avez frappé, non. Et vous vous êtes barré. On l'a pas frappé. Non, c'est faux. Remets-toi. Tu fais confiance à tes collègues ou des criminels des voyous? Il y a un mec qui a agressé Riz avec une balle. Vas-y, attends, laisse-moi, je raconte encore mieux. Vas-y, raconte. Raconte-moi. On arrive, quartier des 50, pour dire bonjour. On voit quoi? On voit plein de mecs qui nous encerclent, dont un qui commence à sortir une balle. Moi, il sort une balle, je sors mon taser. Normal ou pas? Jusqu'à là, oui. C'était une boule de pétanque. Là, ça fait mal, une boule de pétanque. Ok. Il me balance la balle. Moi, qu'est-ce que je fais? Boum. Coup de taser. Jusqu'à là, tu me suis. Est-ce que t'as fait les trois sommations avant? Oui, il l'a fait. Oui, vraiment, il l'a fait. Il a fait reculer, monsieur. Avant qu'il me lance la balle, oui. Mais après, il m'a lancé la balle. Une fois que l'agression, okay, elle est commise, je réponds. Voilà. D'accord, ok. Bien, vas-y, continue. C'est-à-dire, je mets le coup de taser, je lui mets les menottes. Qu'est-ce que je vois? Devine ce que je vois, tu vas jamais me croire. Vas-y, dis-moi. Tu vas jamais me croire. Vas-y, je te crois déjà pas là. Tu te rappelles en début de soirée le mec avec le scorpion qui est parti en exemplaire blanche? T'en rappelles ou pas? Il a fait une prise d'otage à côté de la plage. Je vois lui. Qu'est-ce que je fais? Je dis discrètement en 95. Je dis c'est le mec au scorpion. Du coup, il me dit ok, on part en cachette sans qu'il sache qu'on le sait. Et boum, on le prend en course poursuite. Donc qu'est-ce qu'on fait? On recule, on part en cachette sans qu'il sache qu'on sait qu'il est là. Et boum, on le prend en course poursuite. Du coup, vous avez laissé un mec attaché, vous êtes jamais revenu après pour le détacher. Parce que bah après je vous après tu nous as convoqué 19 immédiatement. Mais c'était déjà bien avant. Non, on est en pleine course poursuite depuis tout à l'heure. Hein. Ok, d'accord, très bien. Et ben on va faire un truc. Vous avez annoncé radio votre course poursuite? Bien sûr. Par contre, oui, ils ont annoncé comme quoi ils avaient récupéré un Tech9 ou un scorpion en radio. Il fallait écouter radio, je sais pas. Et on va faire un truc. Je vais vous faire confiance, ok? D'accord. Par contre, c'est la dernière fois que vous laissez un mec attaché et que vous revenez pas, ok? D'accord, chef. Bah non, mais du coup, on voulait pas le laisser attaché, on voulait juste. Je sais très bien, mais on va rester sur ça. Ça va pas aller plus loin. Là, ça reste entre vous et nous. Mais plus de conneries, ok? Plus de conneries. Par contre. Si vraiment il y a une dinguerie comme ça, vous vous dites en radio, est-ce qu'il y a une personne qui peut venir pour la personne qui est. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu comment elle parle? Allez, super, allez. Je me calme, silence! Vous faites 20 pompes, chacun. De suite! Attends, quand on fait des pompes, des fois on s'évanouit, est-ce qu'on peut faire autre chose? Oui, vraiment, moi je m'évanouis. Abdo, pareil. Je m'évanouis en fait quand je fais des pompes. 3 tours du PDP, 3 tours. 3 tours du PDP. Ça va, moi les abdos je peux. Attends, je vais essayer les abdos. C'est la dernière fois qu'on me parle comme ça, par contre. Vous vous excusez? Pardon. Ça te fait rire? Répétez après moi, je m'excuse. Je m'excuse. Sans Madame, rigoler. Votre matricule. Poupette. Vous voulez une mise à pied? La mise à pied elle est juste là. Mise à pied elle est juste là. Même toi tu rigoles. Même toi tu rigoles. Non, je rigole pas. Bon, vas-y. Je m'excuse. Fais-toi. Je m'excuse, poupette. Je suis en capacité de mettre à pied au cas où. Hein. Pardon, poupette. Je parlais à une supérieure quand même. Pardon, poupette. Je suis triste. Okay, super. Allez. Debout les deux zigotos, debout. Oui. Debout les deux zigotos. Oh, ils ont fait de la merde encore! Oh, ouais, ils se foutent de la gueule de leur supérieur. On s'est fait gronder par poupette 95. Vous ne reprenez pas votre service.
Non. Tant qu'il n'y a pas une lettre d'excuse sur Poupette. Voilà, j'attends votre lettre. Voilà, je vous donne à chacun un post-it. Voilà, la dernière. Et une chacun. Bon, alors. Non, en fait, il a pas dormi, il est fatigué. Quand il est fatigué, il est comme ça, il casse les couilles. Regardez. Je m'en excuse. Poupette, on s'excuse. En fait, mais Poupette, il est sous les bras. Il y a tout le monde qui rigole, regardez. Non, je rigole pas, non, je plaisante pas, non. Non, il y a tout le monde qui rigole. Il y a personne qui rigole, vous êtes seul à rigoler. Vous écrivez une lettre d'excuse, pas de service, donc vous avez pas écrit d'excuse. Ou de la chaille! Je vais surveiller s'ils regardent et s'ils écrivent leur lettre d'excuse. Mais oui, mais oui! Oh, non, mais ils vont aller l'écrire là! Allez, allez, vous allez vous passer sur un bureau là! Allez! D'accord! Allez, c'est et Laura, elle va vous. Et je vais c'est bon, j'ai fait! Tiens, Poupette! Tiens, Poupette, tiens! Alors, si je te préviens, si c'est de la merde, c'est une mise à pied là! Mais ça vient du cœur! Vraiment! Pardon, Poupette! Mais ça vient du cœur, vraiment! Alors, je te le rends et je veux 4 lignes! Quoi? Minimum. Mais quoi, je vais te faire une biographie de Poupette ou je voilà, vais... Voilà, exactement, vas-y. Alors déjà, tu vous vois, et tu vas dans le bureau et tu écris tout de suite. Allez, avec Rizé. Tiens. Dépêchez-vous. Reprends ça. Voilà. Dépêchez-vous. De suite. Dépêchez-vous. Ah, j'ai fait une c'est des agités. J'ai remarqué quoi? J'ai rien marqué. Juste un film de rire, c'est bien sûr. Bah c'est personne n'avait rigolé. Ne dors plus jamais c'est ta vie. C'est juste à cause de... On va faire niquer à cause d'eux. Ok, viens, on se met là et on va écrire. Ouh. Ok, Vaston, s'il te plaît, aide-nous. Je sais pas écrire. Bah en gros, c'est simple. Tu dis toutes mes excuses. Toutes mes excuses. Poupette, et t'écris ça 4 fois. Les larmes aux yeux, j'ai mal à la tête. Toutes mes excuses, Poupette. Ah oui, elle a dit Kathleen. Bah Kathleen. Oui, Kathleen. Oui, c'est ça. Toutes mes excuses, Poupette, toutes avec un S, mais M-E-S, excuse avec un S, et Poupette de T-E. Je fais c'est TRL, c'est TRL bien à chaque fois. Dans le bureau, on est dans le bureau. Non, abuse pas. Montre-moi avant. Je suis trop fort, regarde. Merde. Je suis motivé, plus motivé. Non, mais c'est bon, voilà. Ta gueule. Impeccable. Zen. Ça va et vous, Zorwit? En plus, c'est sa femme, vous abusez, vous êtes trompé de sa femme pour tout le monde. C'est quoi, c'est passé quoi? Toutes mes excuses, Poupette. Ah, parfait, c'est incroyable. C'est rapassé. Vous êtes fort. Allez. Ouais, c'est. Il y a quelqu'un qui vient chasser ou pas, les gars? Non, pas nous. Négatif, c'est bon. Okay. Ok, parfait. Bonne chasse. Le shit. Riz, du coup, t'écris bien toutes mes excuses, Poupette, toutes ES. Et bien en plus, figurez-vous que je l'avais pas jusqu'à maintenant. Mais non, qu'est-ce que je raconte? Non mais c'est passé quoi? Rien, c'est rien passé. Mais M-E-S... Ils se sont foutus de la gueule de ta femme. Excuse, S avec un à la fin. Parlez toujours s'il vous plaît. Et Poupette de T-E. Ah, je crois que c'est le truc des... Je crois que c'est le truc du... du shader. Je suis en train d'écrire. Ok. Bon, la validité. Tu me montres après, hein. Avant de donner, tu me montres. Riz, est-ce que c'est celui qui vient de dire... Tu m'en dis quoi? Viens, c'est lui que t'aimes pas? Non, c'est le blanc là, c'est son mari. Hein. C'est ce trou de balle là que j'aime pas là. Ah bah y'en a un autre. Alors, bonjour Poupette, je vous présente mes excuses, je n'aurais pas dû. Ah ok, dû me moquer de votre voix, elle n'a rien d'amusante et. Oui, même et, plus. Et, plutôt. Et même plutôt charmante. Et même plutôt charmante. Cela ne se reproduira plus, Riz. Ok, c'est parfait, allez lui donner. Écartez-vous s'il vous plaît, 9-2. Allez. Écartez-vous 9-2. Et comment ça, écartez-vous? Tu sais pas donner un objet? Si, voilà. Bonjour Poupette. Ça y est. Oui. Tiens, ma lettre d'excuse. Allez, Rookie, tu peux lire à voix haute le mot de Riz, s'il te plaît, Poupette. Oui. Tiens. Ah, c'est Riz. Tiens, Poupette. Oui, c'est moi, c'est Riz. Très bien. Attendez que je me trouve des post-it. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Bonjour Poupette, je vous présente mes excuses. Non, mais elle, je pense qu'elle a du mal. T'as marqué quoi, Riz? Il a rien marqué. C'est un peu l'émotion. L'énervement, bah, ça la fait rire. Elle rit de l'énervement. Je n'aurais pas dû me moquer de votre voix, elle n'a rien d'amusante, elle est même. Elle est même plutôt charmante, cela ne se reproduira plus, Riz. Ok, j'accepte tes excuses. Merci Poupette. Merci. De rien. 113, 114. C'est pardonné. Oui. Je dois vous parler, je dois vous dire quelque chose de la part de Seamus. Ah, Brad! C'est Brad, c'est ça? Merci Poupette, désolé. Non, mais c'est pas grave. C'est la première fois qu'on rigole de ma voix, mais je comprends en vrai. Sérieux? On vous a jamais moqué de vous? Non, jamais. Non, jamais. C'est dingue. Riz, on nous attend. Oui, j'arrive. Riz. Alors, de la part de Seamus, il m'a dit de vous dire
que vous êtes à un doigt de pied. Ah bah il est là. De la mise à pied. Il est là chez Mus. Voilà. Dans mon bureau vous. Ok. Ah. Fais le miskin. Malcolm. Mais je sais pas comment tu fais. Arrêtez de faire les oeuvres et tout de suite dans mon bureau. D'accord. Comment tu fais le miskin? Voilà, slip. En face de moi, au salut. Ça c'est ton bureau ça? C'est pas mon bureau mais je me mets ici parce que je suis pas encore mon bureau exact. En face de moi. Comme Riz. 55, tu peux te disposer, merci. Ouais, très bien. Alors, j'ai décidé de vous faire confiance. Je vous ai laissé patrouiller encore à deux. Et j'attends que vous faites encore de la merde, encore du brin. C'est moi qui vous ai recruté ici. D'accord? Vous êtes ma création dans cette LCPD, dans cette LSPD. Malcolm, je sais que t'as des problèmes de manque de confiance en toi. Mais non, j'ai pas de problème de confiance. Oui, j'écoute. Ils repartent avec Vastano dès qu'ils ont fini, d'accord? Quoi? Yes! Ramenez-moi Vastano, s'il vous plaît. Par contre, Seamus, je suis juste à mettre une petite parenthèse. Là, t'as vu qu'on a, là, on a rigolé, etc. Mais je te promets qu'en patrouille, on était j'ai pas écouté. Incroyable. J'ai rien écouté ce qu'il a raconté. Non, pas ça. Je sais pas pourquoi vous dites dessus. Ça, je peux pas le voir. Non, non. Je m'en branle. Je vais demander à CB Stano. C'était. C'est 95. De moi, elle est là. Je suis en haut, là. On rentre à l'intérieur du commissariat. Sérieux, t'as vu comment elle est belle. On était sur les strates tout en haut. Ouais, ça va. Ouais. Comment ça, moi? Là. On va pas mettre les choses au clair hein, tout de suite. Parce que sachez que là, il va y avoir une mise à pied qui va tomber après cette discussion. Ah, pour nous deux? Pour vous deux, ouais. Il y a forte chance. Mais non, mais n'importe quoi, on est des très bons agents de police. Très bien. Que... 95, dis-lui qu'en patrouille, on 95, était incroyable. Je peux avoir votre ressenti sur eux, honnêtement, s'il vous plaît. Est-ce que mon avis compte vraiment? Bien sûr. Oui. Alors, moi, je pense qu'ils ont beaucoup à apprendre de notre métier. Ouais. Mais je pense qu'ils ont un petit potentiel. Il y a un potentiel à en tirer. Juste une chose à changer. Non, je suis trop rigolé. Juste une. Laquelle? Ils sont beaucoup trop professionnels. Est-ce que je peux juste parler sous Bled? Oui, ça va, Stano. Leur officier référente. Tu vois, ils aiment trop faire tout dans les règles et tout. Chute, s'il vous plaît. Fou, hein. 95. Oui, ça va, Stano. Merci. En fait, je pense que c'est deux individus qui ont besoin d'être canalisés, en fait. Voilà. Et c'est des personnes qui sont assez excitées et ils ont besoin d'être encadrés et canalisés. Voilà. C'est vrai. Et je pense à des moments juste les séparer, genre une ou deux heures. Ah non, mauvaise idée. Jamais de la vie. Non. Ça va, Stano. Je rends mon bac. Alors écoutez-moi, moi, ça va être simple. Alors si vous vous calmez pas quand vous êtes en patrol tous les deux, honnêtement, ça sera séparation de votre duo. Je vous le dis. Hein. Moi, je réussis à les encadrer, ils n'ont pas de problème avec moi. C'est ouais, Kai, 95, c'est Kai. Maintenant, c'est Kai dans l'ex. Avec Vastano non plus, on n'a pas de problème. Malcolm, Riz, Malcolm. Oui. Là, ils m'ont dit du bon sur vous. C'est de la burne dans la chance. Je vous explique ce qui va se passer après cette discussion. Vous allez prendre 3 vélos avec Savastano et vous allez patrouiller pendant 30 minutes. Attends, j'ai... Je m'en branle. Ok, c'est d'accord. Ah bah, Spoochie, c'est super romantique. Hein. Mais est-ce que c'est possible, vu que les deux sont bons, qu'après, on fasse une patrouille à 4 avec Vastano et 95? Négatif, les patrouilles à 4, c'est à éviter. Mais pour tester... Mais éviter, ça veut pas dire interdit. C'est à éviter. En fait, à 4, on est deux binômes qui marchent. Il y a moi et Vastano, et Malcolm et 95. Voilà, on marche super bien. Je suis pas ton binôme. Il n'y aura pas de patrouille à 4, on est déjà assez débordé, on est déjà assez nombreux, ce sera pas possible de faire une patrouille à 4. Là, ce que vous allez faire 30 minutes de patrouille vélo, ça vous fait rien. Est-ce que 95 peut venir en patrouille vélo avec nous, du coup? Négatif. Mais vu que c'est en vélo... On a besoin de lui sur le terrain. On a besoin de lui sur le terrain. Ouais, allez, Shaymus, fais pas ta pute là! Silence! Il sait qu'il a dit fais pas ta pute! Shaymus, c'est personne, c'est personne. Oh, calme-toi, faut le canaliser! Hier en quartier des Brésiliens, tu disais pas ça! Calme-toi, Lise, calme-toi! Hein, Shaymus? Hein, Shaymus? Shaymus, hein? Quartier des Brésiliens? Tu te rappelles? Ouais, je me rappelle ou pas? Oui, je me rappelle très bien. C'est pas oui, c'est vrai, quartier des Brésiliens. Tu veux que je te raconte? Attends, je vais te raconter! Attends, je vais te raconter! Vas-y, fais voir! Bah, vas-y, Shaymus, je raconte! Mais non, il y a rien eu, rien. On a juste patrouillé, on a vu des Brésiliens. Je raconte. Franchement, Shaymus, raconte. Hein. Je raconte. Raconte, Riz, ta version. Je raconte. Le moment où, au début ou après quand on est revenu, Shaymus. Je pense vraiment qu'on devrait partir en patrouille à 4. Ça sert à rien de compter le temps avec. Je pense vraiment que vous allez arrêter de jouer au zigoto et bordel de merde. Ça va, Stano. Vous allez chercher 3 vélos et vous me les prenez en patrouille. Ok. Ils sont où les vélos? Allez au parking. Pas trop vélo pour vous dans le secteur des quartiers. D'accord. 95 super. Avec moi en Adam. Je vais me faire Vous êtes protégé, Vastano. Bah, j'en doute pas.
Vous allez faire la formation de tortue autour de moi, s'il vous plaît. Laura, je pars en patrol vélo, voilà. Tu pars avec. T'es dégoûté, hein. T'es dégoûté, t'es dégoûté. Mais c'est moi qui a fait que l'on t'es dégoûté. T'es dégoûté. Je pars en patrol vélo, là. Et Riz va faire du vélo. Eh ouais, je vais faire du vélo avec ta crush. Les gars, mon ex, c'est l'autre, c'est pas elle. Eh, hey, hey, arrête de mentir, arrête de mentir, ça se voit que comment il s'appelle les vélos, les vélos de pute, la jalousie, frérot. Oh, allez, Laura, putain, t'es double vélo, toi. Merci. Je sors les vélos, Laura, t'inquiète pas, ouais, Laura. Merci. C'est bon. Et on va où, Sébastien Odino? On va dans les quartiers, on nous a dit. Dans les quartiers, en vélo? Oui. Ok. Vas-y, on te fait. Non, je vous suis, moi. Ah, je suis d'accord, ouais, elle pue vraiment la merde, cette bagnole. Elle pue la merde, les voitures. Allez, je veux que ça pousse, impossible. Ouais, pas de soucis, on pousse là. Mais d'aller pas vite, comme ça on va au même rythme. C'est où les quartiers, Bastano? Parce que pour l'instant j'en connais qu'un. Mais moi j'en connais aucun. Ok, ben viens, on va essayer de se renseigner sur les quartiers, d'accord? Ok. On va chez les 50, on leur demande des informations. Ils vont pas nous donner des informations comme ça, hein? Bah si, sur où ils habitent, leurs collègues, comme ça on arrête de leur casser les couilles à eux. Ouais, c'est vrai. Regarde, c'est quoi, regarde? Bastano, tu me montres, tu me laisses faire, je vais te montrer comment on fait. Pas de soucis. À droite. Mais je te suis éternellement reconnaissant, on a perdu Malcolm! Merde! Ah, c'est bon. T'es sûr qu'il s'est pédalé? Ouais. Klaxonne! Je klaxonne. Comment vous êtes trop mignon! Oh là là! T'es content? Vous êtes trop mimes! T'es content? Je peux essayer? Bonsoir! Tout ça, c'est votre faute! Bonsoir! Oui, enfin, c'est notre faute! T'es venu deux fois! La première fois! C'est notre faute! T'es arrivé deux fois! T'es arrivé deux fois! Arrêtez, Riz! Arrêtez! Quoi, toi? Moi, je suis balance, moi! Il a balancé. Attendez, écoutez. Viens, on recule. Viens, on recule. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, tout va bien. J'observe. Ok, d'accord. Les gars, je suis venu pour enterrer la hache de guerre avec vous, d'accord? Ouais. Seulement si tu me laisses faire un tour. Attends. Je dois l'admettre. On patrouille souvent vers chez vous, mais il y a une raison à ça. C'est pas parce qu'on vous déteste, c'est parce que, pour être tout à fait honnête. Non, c'est parce que, pour être tout à fait honnête, on est au courant que de vous, pour l'instant, on sait pas où ils habitent, les autres. C'est un peu flatteur. Du coup, ouais, si jamais... C'est qui ce flic, boy? Taisez-vous, s'il vous plaît. Du coup, si vous pouvez nous dire où ils habitent, les autres gangs, comme ça... Bah, ah, mais c'est Doudou. Doudou, ça va ou quoi? Partout, mon gars. Où tu crois, ceux qui sont pas très très... Ils sont moins visibles, c'est tout. Ok, ben, si on pouvait... Wow. Quoi? Voilà, c'est ça votre problème. Ouais, je tire dessus, c'est tout. Je l'ai dit. Voilà, ça s'embrouille, hein. Allons là-bas, on a bas. On s'entend la merde. On a bas, il est grave content le traslar là. Vas-y, Regis, fais attention, Regis, avec ton strap. On les bute. Bavure, oh, il fait quoi lui, bavure lui, oh. Bon, je vous disais, du coup, si peut-être il y en avait un de vous qui pouvait monter dans une voiture avec moi et vous montrer les positions de là où vous habitez. Je te pense à vous, ça va pas. Mais au moins. Y'a du malade, je te jure. Il a dit, vous avec quoi, vous montrez où ils sont. En mode, on est des gymnastiques. Mais non, mais une voiture à vous, vous croyez pas que je vous embarquez ou quoi? Non mais c'est pas ça le problème, c'est que même nous on a pas, tu vois, on est arrivé à 3 jours de liberté, on est pas trop tu vois. Mais tout ce que je peux te dire c'est que dans les rues qui sont adjacentes là, même en face. Toi tu sais toi, je te passe 200$, tu me donnes les positions. 200$? Mais autour de chez nous, je te jure, tu... Autour de chez vous? Je te jure t'en trouves. Genre vraiment autour, t'as du monde. Bon de toute façon si je trouve pas, je vais continuer à venir vous casser les couilles, d'accord? Ouais, mais moi avant tout ça, j'ai envie de savoir. Mais dites-vous que c'est gentil, genre c'est parce qu'ils vous aiment, c'est pour ça qu'ils sont. Non, pas du tout, c'est parce que je connais vous. Je peux faire un tour de vélo. C'est pour ça, Riz. Ouais, vas-y, je fais un tour de vélo. Il est très taquin. Viens voir la copse 2 secondes. Hop. Oh! Elle te l'a donné bonne à l'autre. C'est ta soeur ou quoi? Oh! C'est ma femme, elle. Oui, d'accord. Je lui fais son taf. Putain, mais c'est terrible. Pourquoi il crie comme ça, lui? Oh! Oh, mais arrête! Et là, pourquoi vous criez tout là? Putain, tu fais résonner tout le bloc là, ton gros crâne. Je suis amoureux d'elle, les sentinelles d'or là. Sérieux? Riz? Ouais. Ah bah vas-y, j'arrête. Allez, quoi? Bon, Riz, t'es vraiment amoureux d'elle. Est-ce que tu m'en voudrais? Quoi? Si je vais avec Sheamus? Non, Sheamus et 95. Ah, ils sont partis? Ah voilà, ils t'ont abandonné. Oh là 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 là. Plus tard dans la soirée, pas maintenant. Ouais. Ok, bon, j'irai pas. Ok. Bon toutou. Mais dans les faits, comme je disais, boy, c'était vraiment amoureux de la. De la bon de la, toutou la... Attends, on est en quelle année? Ah, on est en 2022. Ah ouais, c'est. Ah ouais. Oh, excuse-moi, vu ta coupe. Bon, bref, on va pas parler sérieusement. T'es amoureux de la fille là, c'est ça? Ouais. Genre vraiment? Ouais. Ok. Elle le sait? Non. Bah, on va savoir. T'es con, toi? Oh, putain, si... Tu as pas dit, il vient de te dire, on est en quelle année? C'est un gang de balance. J'ai des poucaves. Vous avez balancé tout à l'heure qu'on en a menotté un, maintenant vous voulez balancer ça, vous êtes un gang de balance. Le dépôt qui? Oui, si tu veux. Ah, mais t'as vu, ça c'est les mecs de Liberty, ça.
Des balances. C'est ça, les mecs de Liberty, toi. C'est les mecs de Liberty, mentalité EBK. Mentalité EB balance, ouais. Ah, pas trop, apparemment. Grave drôle, ouais, apparemment, ouais, ouais, pas trop. Oui, y a pas de balance ici, boy. T'es no snitch, man. T'es malade ou quoi? Jamais on balance. Après, je te dis, si tu veux, je te balance des infos sur la film, tu l'es. Oh. Tu me dis. Bah. Il est où le vélo? Il est passé le vélo. Il est là, le jaune. Il est là. Bah, ouais, mais c'est bizarre. Bon, on est bien d'accord. Ouais, bon, en tout cas. Ils ont. Guerre, voilà. Allez-y, remontez sur vos vélos. Bah, on part. Tant que je sais pas où ils habitent les autres gangs, je vais passer chez vous. T'as une villa ou pas? Mais on sait pas où ils habitent, bordel. On est pas. Bah, j'espère pour vous que je vais trouver. Je vis là-bas avec mon mari. Pédale, pédale, c'est qui ton mari? Le lieutenant 70. Ah ouais, le chaud pour le. Et c'est quoi le matricule du blondinet là? Qui? Lui à droite? Ouais, celui qui a les gros yeux, là, on dirait une grosse. C'est 73-114, je sais pas. Mais ils sont vraiment dans la police ou c'est des stagiaires c'est là? Le non, non, de... c'est des rookies, ils sont une semaine d'apprentissage. Pourquoi toi, t'es gradé, toi? Moi, je suis officier, ouais. C'est ça? Officier d'apprentissage 8 là, c'est important. Ah, officier, oui, je me disais. On s'est pété plus de soucis. Ouais, je suis cadet, moi. Tire-route. Arrête de faire la sergente ici, là. Moi, allez, retourne faire des corvées. Allez, au revoir. Ah, merde, faut que j'arrive ma radio. Non, c'est pas où vous habitez. Moi aussi, j'ai pas de radio. Ça vient de quoi, Vastano? Tu m'as dit quoi? Ça vient de quoi, Bastano? C'est quoi comme... Je suis colombienne. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit. Je suis colombienne australienne. Ah oui, je me rappelle, tu m'avais dit. Ok, moi je veux me mettre un peu... Aïe! Merci Boris, Malcolm. Est-ce qu'il y en a un de vous, pardon, excusez-moi de parler en radio devant tout le monde, vraiment, je voudrais pas trop vous importuner, mais est-ce qu'il y en aurait un de vous qui connaîtrait les positions des gangs de Los Santos, comme ça on peut patrouiller des fois de temps en temps? Ok, apparemment pas trop, merci beaucoup. Affirmatif, je connais quelques-uns. Oui, je peux venir, tu peux venir au commissariat, tu me montres? Apparemment, tu vas pas venir au commissariat. Bon, ben je vais. D'accord, aïe, merci. Mais Malcolm, fais un effort, j'arrive, s'il te plaît, je sais que t'as des cheveux. Ok, super, merci. Tu peux pas? La bouffonne. Comme le quoi? Et putain, aïe, j'arrive pas à le cabrer ce vélo. Oh, mais Bastano, elle m'explose de rire, elle est trop de bonne humeur, t'as vu comme c'est une messie heureuse? Vraiment, elle m'a foutu une fatiguée de fou. Oh, le compte socant. Shift après contrôle. Allez, faut faire fou. On peut clairement taser. Comment tu fais? Ah, mais toi, t'as un taser à l'ancienne, moi j'ai les nouveaux tasers de merde là. Comment ça, il est... Aïe, il est arrêté. J'ai les tasseurs, ouais, qui... Laisse. Ouais. Il est là, à gauche. Ah, c'est toi? Je suis là. Monte, je t'ai fait un tour en vif, hein, très rapide. Vas-y. Je te montre ceux que je connais, et voilà. Oui, c'est parti. Bah vas-y, grimpe dans le coffre, Fasano. Ok, bah nickel. On part en X-ray plus 1. Oui, négatif, faites pas de call radio parce que vous avez pas votre passion. Ouais, oui, je sais bien. Putain, Weedman, c'est un truc de fou, sérieux. Qui? Oui, yo les man. C'est Weedman juif. Je ne suis pas juif. T'es pas juif? Non, c'est pas parce que je parle comme ça que je suis juif. Bah c'est quoi comme accent? C'est un accent américain. Ok. Totalement lambda, oui. Là, on va rentrer. Je connais pas forcément les noms, donc eux, je sais que c'est un gang. Je crois que c'est Crips, je sais plus quoi. Et Crips bah, sur la droite. Non, Bloods, je crois. Oh, vas-y, c'est ici. Vas-y, viens, on va leur dire bonjour. Perso, j'habite ici. Ils sont gentils? Ouais, ils sont cool. Bah, allons-y, on va se poser. Ok, viens, on va aller voir. Faites pas en sorte que ça dégénère. T'inquiète. Allez, vous posez dans le quartier même. Mais j'habite ici. Impressant, on fait une descente. J'habite ici. Et on s'en meurt. Bonsoir. Ça, c'est moi. Ça, c'est mon LS, ça. Vous allez bien? Bonsoir. Bonsoir. Ça va? On est venu se présenter. Bah, pour venir se présenter. Pour être bonjour, gentil, madame, pour de la gentillesse, parce que nous sommes convivés. Bonsoir, sans montageur, je me sens pas en sécurité. Je fais comme Riz encore une fois. Non. Yo, c'est toi qui m'as contrôlé sur la supérette, ça va ou quoi? Oui, c'est ça. Ça va et toi? Yo, moi c'est Kane, tu veux que te Kane? Ta gueule. Je fuis. Et toi là? C'est à moi que tu parles? C'est bon, ils partent. Oui, dis-moi. Alors, ça vend de la beuh ou quoi? Ouais, non, c'était pas nécessaire. Justement, j'attends le vieux monde. Bref, je t'ai montré ici, on va partir. C'est pas que j'ai une voiture à payer, c'est mon tonton. Les mecs, oh les Bloods. Quoi? Ça vend de la beuh? Non, mais j'aime pas les mauvais payeurs. Mais tu crois que je suis mauvais? Vous vendez quoi? Pourquoi vous voulez de la weed? Ouais, la weed. Ah, vraiment, vous vendez un peu, vous vendez de la beuh ou pas? Bah ouais. Pourquoi l'énerver comme ça? Bah ouais. Je sais pas, genre. Vous en voulez? Ouais, vous en voulez? Ouais, il faut combien? Ouais. Bah vas-y, un gramme. C'est combien? J'en ai, hein. Combien? Moi j'en ai. Il va peut-être te payer. $30. C'est cool, vas-y. Vous allez en prison si vous faites ça. Il faut y avoir. Vous faites quoi là? Affirmatif. Oh, tu sais, ton ça. Yo, switch la pause, on y va.
Je pense quoi t'entends micro enceinte, arrêtez de fumer de la weed, sérieux. Yo go. Vas-y, c'est bon, de toute façon, ça sert à rien d'avoir de la beuh. Riz, on y va. Mais non, je veux vraiment de la beuh. Je veux vraiment de la beuh. On y va, Riz. Oh oh oh. Allez, avec moi. Je peux acheter ma conce, merde. À quel prochain pour la force? Montez dans le véhicule. T'as la force, hein. Allez, montez. Vas-y, celui-là. Oh putain, le bâtiment. Celui-là. Tu repasses si tu veux de la beuh. Je repasse. T'inquiète. Avec plaisir. Bah là, là ce retard t'as été trop lent. Bah pas de ma faute si le véhicule voit rien. Ouais c'est vrai. Ok après. Donc là c'est les Bloods. Ok. On a les Bloods. Je ne connais pas forcément les noms hein. Je vais pas en... Okay. Je vais me présenter mais je vais chercher leur prénom. Mais putain Whitman t'es là, pas là, juif. On les a vus là. Les 50 c'est un indien on connaît. Vous avez vu 50 ouais, okay, mais pourquoi tu parles comme ça? Parce que je suis né comme ça. Je ne décide pas. Attends fais un demi-tour. Par pitié s'il te plaît fais un demi-tour. Riz, y'avait la même voiture que le gars qui a pris là de l'autre. Tu sais que genre c'est pas grave hein, si jamais t'es juif, genre faut assumer. Je ne suis pas juif, j'aurais pu être avocat peut-être, oui, mais non. C'est le véhicule qui est recherché là. Ce n'est pas le cas. Là-bas sur la gauche. Non, il est parti tout droit, Sois juif, putain. Tu me dis, c'est toi qui me guide du coup. Non, il est parti tout droit. Au fond de la raquette. Je n'ai pas envie d'être juif là. C'était ce véhicule là, c'était lui à gauche là. Ouais. Ouais. Il vient d'arriver hein, parce que je l'ai vu passer. Ouais. Et je l'ai vu aussi. Et là, je sais pas où il est. Ouais, tout pareil, je l'ai vraiment grave vu moi aussi. Moi aussi, je l'ai vu. Et moi, je l'ai vraiment vu. Vas-y, viens, on continue à faire le tourner des gangs, on sait pas si s'il te plaît. Ok. Mais on avait un objectif, Freeze. Oui, mais attends, mais là d'abord, il faut qu'on connaisse là où ils habitent les gangs, sinon on le fera jamais. Ok. Après. Je fais partie de la MCD, je crois, c'est un truc comme ça. Weedman juif, non mais sérieux, si on me l'avait dit celle-là. Si un jour on m'avait je dit ça, je suis pas juif, bordel. Par contre, tu dis pas que t'es pas Weedman. Ah. Je ne suis pas Weedman. Les Brésiliens, on les a vus aussi. Je l'ai eu, les mecs, bah, je l'ai eu. Je sais pas ce que je peux te montrer de plus, hein. Bah, à part les Brésiliens, les Fifi. Et les Bloods. Et bah, trois gangs. Bon, on va se balader dans la ville, hein. Après, tu connais pas trop. Bah, moi, c'est il a dit juif. De le rapport. Ok. Après, ouais, ils sont discrets, c'est ça? Ouais, je pense à ça. Okay. Dans le nord, il y a de l'activité un peu ou pas? Ah, dans le nord, on sait pas parce que c'est la BCSE qui s'en sort. Ah, si, dans le nord, il y a un gang au niveau du motel, il me semble. On a eu dans le nord, nous, on a pas le droit d'y aller, nous. Non. Okay. Interdiction. Ouais, c'est pas notre territoire. C'est ça. Pourquoi la BCSE, ils viennent là, ces fils de pute? Ah, je sais pas, ils sont totalement cons. Ils s'ennuient, je pense. Eh ben, c'est ça comme info, ben merci. Tu peux nous déposer au commissariat. Ok. Vas-y. Allo. Et qu'est-ce que tu vas faire de cette info? Ben pour patrouiller. C'est qui? Ouais, ok. Faire enfin, attention à ce qui se passe, ouais. Bah je sais pas, ouais. C'est toi qui m'appelles. Oh, mais pas du tout, aller les faire chier. Message, t'es fou? Non. Bah tu m'as envoyé, c'est mon numéro 95. Mais si. Ah vraiment, tu m'as envoyé un message par contre. Hein. Ok, bah je sais pas. Ouais, peut-être. Vas-y, ça marche. A plus. C'est la première fois que ça m'arrive, un mec qui se trompe de numéro. Trop stylé. Et là, vous allez faire quoi, vous deux? Non, bon, on va repartir en... Oui, on va patrouiller, hein. Le boulot, quoi. Vous êtes pas décadés, vous deux? Si. Et vous patrouillez en 2KD comme ça? Ouais. Oui. Et pourquoi ils nous laissent pas nous faire ça? Parce attends, que c'est vraiment 2KD là? Mais oui. Comment ça vous êtes 2KD? Arrêtez le véhicule, s'il vous plaît. Non, mais nous, c'est... Non, mais depuis le début, c'est comme ça. Oui, depuis le début. Genre, vraiment, depuis ça fait depuis qu'on est sorti de la patrouille. C'était, on était en tango au KD hein, à la base. Oui, mais viens, on va patrouiller. On va patrouiller. De partir en rookie. Bah non. Bah si, on nous a dit. Toujours le véhicule de Soulas. Non, descendez ça. Dispatcher. Vas-y, viens. Descendez. Mais c'est Dispatcher. Non, mais je parle pas à vous, c'est bon, partez. Ah, ok. Ça va? Ok, très bien. Des bisous. Mais pourquoi il y a autant de rookies qui battent? Ça, les gars, c'est notre voiture, ça. C'est ma voiture. On peut la prendre? Arrête. Descendez. Franchement, c'est chaud, c'est le GLC. Descends, Riz. D'accord. Bien sûr. Ah, en fait, par contre, le capitaine, c'est Vastan. Laura, vous sentez avec qui? Ah, pardon. Aïe. Oh, elle s'est allée comme une crème, la pute. Non, pardon, Vastano. Oh putain, je l'ai pas fait mal. Je suis tellement désolé, sérieux. Ouais, je sais, Salut les mécanos. Vous demandez à votre agent de vous payer, vous inquiétez pas, il vous paye. Attends, mais Riz. Ouais. Depuis tout à l'heure, tu cherches un véhicule pour nous sortir le même? Mais non, frérot, je me suis évanoui en gros. Là, mais on est cadet, il faut qu'on soit au moins officier pour qu'on demande notre voiture.
Non, rien. Il y a une soirée au Bahamas. Afi. Vas-y, venez, on va voir. Oh, on est pas en radio. Pourquoi tu me dis Afi? Dis-moi, ouais, mon pote. Enfin, pardon. Dis-moi, ouais. En fait, c'est ça ton problème, Bastado. T'es joyeuse, t'es gentille, mm-hmm. mais t'es trop genre. Seamus, la ouais. Mais je suis une personne aigrie. Non, t'es pas aigri. Non, non. L'autre, Laura. Attends. Oui, à l'écoute. Vous avez terminé votre patrouille vélo? Oui, Afi, 10-4. Ok, c'est bon, c'est tout. J'ai cru qu'il allait nous gronder. Moi aussi, j'ai en gros, non, t'es pas aigri, c'est juste que t'es trop boulot. Non, non, Laura, l'autre Laura, elle est aigrie. T'as vu Laura là, avec les Adam cheveux blancs? Laura White sur le dernier vol. Ouais, ouais. Oh là, comment elle est aigrie, elle? C'est 25, je crois, ou 14, je sais plus. Moi, je l'aime pas trop, vraiment, je te le dis sincèrement, Vastano. Ouais, moi aussi, je l'aime pas trop. Je sais pas, j'ai pas eu le temps de trop patrouiller avec elle. Tu l'aimes pas. Je l'aime pas non plus, je te jure. Ah, ok, bah, ok. Si nous, tu nous aimes bien, tu l'aimes pas. Ça, c'était stylé, ça. Attends, je vais faire un créneau. C'était pas du tout stylé. Si, c'est je... vraiment stylé. Un créneau tapeur. Hein. Magnifique, Riz. Bien joué, Riz. Impeccable. Bien joué, Riz. C'était vraiment magnifique. Bonsoir. Créneau zéro. Bonsoir. Bon. Bah, ok, bah. Dites-le bon. Si je vous fais chier. Bonsoir. Oh là là. Oui, je vous fais. Bonsoir. Okay. Pourquoi ils ont répondu qu'à Armée de service et tout dans parce que les nous, casiers. On est des beaux gosses. On s'est pas dit de rapprocher par casier. Non, non, on nous a appelé là, il faut qu'on vienne pour regarder. Il faut qu'on y ait un truc là. Non, mais. Non, mais vous revenez. J'ai payé, ouais. Non. Il y a quoi? Oh, en fait, poupette! En mode bomba latina! Moi, ça va. En mode caliente. Ça va mon petit danseur. En mode caliente. En fait, poupette en dehors du travail. Me gusta la mañana, me gustas tu, hein. Que voy a ser, me gustas tu. Petit, j'étais du perrin, j'ai vendu sur le terrain. Hey, tu nous fais une petite danse là ici là. Non, fous-moi la paix, je danse pas là. Hola, hola, que pasa. On va. Oui, bonsoir. Y'a pas de que pasa. Y'a pas de que pasa. Pourquoi y'a la guardia dans mon établissement? On nous a appelé. On nous a appelé, apparemment, y'a un mineur ici là. Aidez-moi à sortir, je suis claustrophobe. Y'a pas de mineur. Ouais, y'a un mineur. Quelqu'un qui est mineur. Une mineur. C'est qui le patron de l'établissement là? Non mais peut-être que c'était un mineur, genre celui qui travaille dans la mine, je ne sais pas, mais on nous a appelé pour un mineur. Qui est le patron de l'établissement? C'est moi, Armando, avec le chapeau, le patron. Vous êtes sûr, vous n'êtes pas pêcheur? Tu fais rentrer des mineurs dans ton établissement? Tu crois que je suis là pour rigoler avec toi, la poyos? Attends, comment il parle à Bastano là? Pousse-toi. Vas-y, Riz, vas-y, je me pousse, Riz. Comment ça? Vous êtes en train de faire la gorge là, vous avez un mandat pour rentrer chez moi? Non, on est rentré parce que apparemment il y a quelqu'un qui est mineur. J'ai rien déposé, Gage, j'ai mon taser, il est sur moi. Je suis pas venu. Non, il y a quelqu'un qui est mineur dans cet établissement, on va faire un contrôle. On va faire un contrôle des papiers d'identité. Eh ben, ce sera fait dehors. Bon, j'appelle des renforts. À toutes les unités, s'il vous plaît, on est au Bahamas, apparemment il y aurait des personnes qui serait mineur et les dirigeants de la boîte souhaiteraient nous mettre dehors avec la force. Oui, venez s'il vous plaît, on a besoin d'aide là. Pas de mineurs dedans, monsieur. Il y a des mineurs, on les voit là. Ok, tout le monde m'écoute s'il vous plaît. Tout le monde m'écoute. On va contre le bar. Tout le monde contre le bar s'il vous plaît. Contrôle d'identité, apparemment quelqu'un serait mineur. Comment ça non. Contrôle d'identité. Tout le monde. Tout le monde. C'est pas nécessaire, monsieur. Ne m'obligez pas à employer la force. La police sans mandat. Bon. Donc on écoute la mère, on écoute la mère. Vous demandez, ouais. Allez. Allez contre le bar, juste les pièces d'identité et on se barre. Des mandats d'arrêt, vous ne les écoutez pas. Continuez votre soirée, messieurs dames. Continuez votre soirée, ils n'ont aucun droit dans mon établissement privé. On a besoin de renfort là, ils deviennent agressifs. Allo. Le comique, peux-tu mettre un masque? Les collègues, vous avez besoin d'aide ou pas? Je suis chérie, vous avez besoin d'aide pour le. On a besoin d'aide. Non, t'es toujours là. Il m'écoute pas trop, hein. Vous arrêtez de saper mon autorité, vous allez contre le bar. Éteignez cette musique. Éteignez la musique. C'est pas public, vous avez aucune autorité sans mandat. Il y a un mineur, on va faire un contrôle d'identité et tout va bien se passer, monsieur. Il y a que des majeurs ici. Radio, refuse le contrôle. C'est la loi, on a le droit de contrôler l'identité des gens qui sont dans la boîte. Bien sûr que si, on a le droit de contrôler l'identité.
Monsieur, écoutez, contrôlez les identités. Nous avons le droit de contrôler votre âge, vous allez contre le bar. On le calme, monsieur, s'il vous plaît. D'accord, pas de Il y a trop de voix. Trop de gens qui parlent dans mes oreilles. Il y a des gens à faire entrer. Oui, on vous reçoit, monsieur. Non, super, on va commencer la soirée tranquillement. Je me présente, Georges Barnaby, le DJ. Ils en ont rien à foutre, je vais m'occuper de vous ce soir. Bien sûr qu'on a le droit de contrôler. Bien sûr qu'on a le droit de contrôler. Une fois un avocat. Écoutez, c'est vos métiers, mettez-vous d'accord, d'accord. Écoutez, écoutez, nous sommes. Non, vous écoutez, vous connaissez pas la loi. Moi, je connais la loi. Moi, je suis agent de police. Ça veut dire, j'ai le droit de venir dans votre établissement pour soumettre un contrôle d'identité pour vérifier qu'il n'y a pas de personne mineure à l'intérieur de l'établissement. Donc, soit vous coopérez. Soit j'appelle le procureur, je viens avec un mandat, on retourne l'établissement de fond en comble. Faites ça. D'accord. Super, Malcolm, viens, on y va. Elle est où, Bastano? On arrive, on va chercher le mandat. Elle est où, Bastano? Elle nous a abandonné. Bastano, viens, on va chercher un mandat. Comment ça, vous allez chercher un mandat? On va chercher un mandat, il refuse le contrôle. Juste là et c'est bon. Très bien, on va chercher un mandat. Rentrez à bonne procédure, ça. S'il vous plaît, tout le monde sort. La police. Pardon. Oh là là, mais c'est très bien la porte. Faites une queue. C'est quoi ça? C'est pour midi ou quoi? Il refuse le contrôle, on aurait besoin d'un mandat, s'il vous plaît. Un contrôle de pour vérifier. Mineur. On nous a appelé, apparemment, il y aurait quelqu'un qui serait mineur. Ah oui, c'est un monsieur de mandat. Il faudra un mandat à la direction. Et non, monsieur, je vois orange, il a mis une photo sur Twitter. Ouais. Regardez. Ah là, il a mis une photo cagoulée et une nom cagoulée. Allez, mise en place de formation, matraque en main. Tout le monde. Matraque en main. Quoi, monsieur, il se passe quoi? Malcolm, tu vas me faire un débrief. Ils sont agressifs à l'intérieur, en gros. On nous a appelé parce qu'apparemment il y aurait une personne qui serait mineure à l'intérieur. On a voulu leur demander si jamais ils acceptent. Super agressifs. Voilà, on leur a dit est-ce que vous acceptez qu'on contrôle les papiers? Ils nous ont dit non, dégagez, on va vous baiser vos mères et tout. Le directeur arrive. D'accord, ok. Africain du Sud, énervé. Attends, mais même sur Twitter, non, Américain du Sud. D'un individu qui a dit qu'il était recherché par la police. D'accord, ok, parfait. Écoutez, je vais contacter le procureur pour essayer d'avoir un mandat s'il faut. En attendant, je vais rentrer en contact avec eux pour voir s'il faut vraiment aller jusque-là. Et s'ils veulent vraiment nous casser les bras. Est-ce que je leur ai dit, soit vous coopérez et on check les identités et on part, soit on va chercher un mandat. C'est une soirée qui est bien ou pas? Ils ont dit non, allez chercher un mandat. Ça va. Chez eux, ça fait 20 minutes. On essaie de négocier, c'est impossible. Ok, juste, je vais me présenter en tant que sergent, peut-être qu'ils vont comprendre que la rigolade. D'accord, on repart patrouiller, nous, tu nous appelles si jamais il y a besoin, d'accord? Non, restez, il y aura sûrement besoin. Ok. Non, c'est déjà toujours le sergent. On envoie deux agents les récupérer. Vas-y, on crée la rétro, les gens vont mettre des doux dans l'incendie. Il faut que deux agents qui rentrent. Deux agents. Vous êtes déjà resté tranquille un peu. Quoi? T'as vu? Tu sais exactement à quoi il ressemble? Je te parle pas pour rien. Vas-y, rentre, Riz. Je rentre et je dis quoi? Je rentre avec ton supérieur. Tu viens avec moi, on va rentrer, on va aller chercher à des. D'accord. Ah, il est là, c'est le patron. C'est moi, c'est le patron. Un trou de balle, il est tombé par terre. Ouais. On vient le voir, votre directeur là. Écoutez-moi, c'est moi le patron de la boîte. C'est lui là, celui-là. À partir du moment, il y a une personne du gouvernement à l'intérieur. Elle a dit exactement les mêmes choses. Vous pouvez contrôler à l'extérieur quand les gens sortent et à l'intérieur avant qu'ils rentrent. Enfin, à l'extérieur avant qu'ils rentrent. S'il y a des mineurs, vous nous amendez. Mais vous n'avez pas le droit de rentrer dans mon établissement et de contrôler des personnes. Il est privé. On est d'accord, mais on vient de voir votre co-directeur pour justement rentrer, interpeller la personne et sortir avec. Envoyez seulement deux agents. C'est moi le directeur, monsieur. Votre co-directeur était là il y a à peine une minute. Je n'ai pas de co-directeur. Je sais pas, en vrai, les keufs, ils peuvent venir contrôler une boîte, voir si jamais les gens ils sont. C'est à vous de faire votre travail, ils sont majeurs. Comment on fait, ils sortent ou... Quasiment sûr. Je comprends pas de qui vous me parlez. Actuellement, vous avez une personne mineure qui est recherchée par la police à l'intérieur de votre établissement. À quoi ressemble? Il faudrait demander à Raïs. C'est ça à quoi il ressemble? Ah, regardez sur Twitter, une photo avec les cheveux roses et l'autre une photo avec une cagoule. Attends, les deux mécanos qui analyser les côtés, tout ça, prenez des positions fixes, d'accord? On analyse les côtés au cas où ça arrive. Formation, allez. Ils viennent actuellement de nous crever à pneus. J'arrive tout de suite. On n'est pas rentré dans votre établissement. Je ne vais pas bouger les mécanos. On rentre dans la communication avec vous, monsieur. En deux pour un supérieur. Mettons les choses au clair. S'il y avait un mineur et qu'il est certifié mineur, on paiera l'amende. C'est pas grave, c'est à nous, on n'a pas fait attention. Il n'y aura pas d'amende si vous coopérez, si vous nous aidez à le sortir. Il n'y a aucun problème pour ça. Tout à fait, j'ai envoyé la sécurité le chercher.
C'est parfait. Là, c'est parfait. Et bah, ça roule. Vous coopérez, mon brave. Là, j'ai un doute, mais je suis quasi sûr. Individu interpellé pour trouver la place du véhicule. Il est déjà sur scène. C'est trop facile. Sinon, très bien. On n'a aucun contrat avec. C'est-à-dire quoi, toi? Il n'y a pas de question que je vous pose, toi, et toi, vous. En plus, vous, on a pas élevé les moutons ensemble. Bien envoyé ça. Mets mes impôts comme tout le monde, hein. Mets mes impôts comme tout le monde. Il nous fait chier, lui. 95, cessez les provocations envers les individus. Ils sont susceptibles. Je suis né 95. Je suis pas susceptible, mais je paye mes impôts comme tout le monde. Mes impôts qui payent mon putain de salaire. Et nos salaires qui nous aident financièrement et nous nous aidons à bien vivre en ville. Et avec votre argent pour nos salaires, on vient et on contrôle les gens qui sont mineurs dans des boîtes de nuit. C'est bon. C'est bon, mettez-vous à l'entrée de la file, vous contrôlez. Vous m'amendez à chaque fois que quelqu'un est mineur. On attend la réponse. J'ai retourné l'établissement, il est pas dedans. Donc maintenant, vu que vous avez mon accord, deux agents ils peuvent venir vérifier de même. Eh bah c'est nickel. Bah allez-y, les deux agents c'est désigné tout à l'heure. Ils l'ont fait sortir, ils l'ont fait sortir. Ils l'ont fait sortir, ils l'ont fait sortir. Ah oui, évidemment. C'est bon, sorti. Ou ils l'ont caché. On va faire un tour dans les alentours. Nous on va voir. Allez, caméra casse, go. Ouvre Banco. On fait un petit tour rapide, en vrai, c'est pas long. Et bon, c'est avec moi, Armano. Vas-y. S'il vous plaît, mais ne parlez pas aux gens, ils ont peur, mais bon, la police. Merci. Pour les 5 whisky, je vous fais ça, madame. Oui, merci. Je vais voir l'étage. Pas de soucis. Bah, écoutez, avec plaisir. Je vais te voir tout. Je vais te voir. Pop. C'est privé, monsieur, là. Ah ouais, mais ça se trouve, il est ici. Allez, putain. C'est fermé ici. Je peux ou pas, du coup? Allez. Genre? Je crois qu'il y a les WC qui sont occupés au milieu. Non, on fait pas. Ah non, pas occupé. Bon, personne n'est caché dans les toilettes. Non. Oh, y'a un requin au-dessus de nous. Vas-y, entrez. C'est du no copyright la musique? C'est un DJ qui mixe. Normalement, c'est ok, normalement. Que no copyright. Vu qu'il est en temps réel, abruti. Attends, y'a qui là-bas? Attends, reste là, je dis que je vais voir le bureau. Allez-y, vous pouvez venir ici. C'est pour vous là, c'est pour vous intégrer. Ah oui, je vois. Femme blanche, y a pas mieux pour s'intégrer. Ah, je crois qu'il est pas trop. Ah oui. C'est bon, c'est bon. Ah, bah il est déjà là. Ouais, je suis déjà là. Un bar de flic ici à la base, monsieur. Il faut pas que s'embrouille. C'est un bar de flic ça? Ouais, vous entendez, vous voyez pas le nombre de flics qui dansent sur la piste? Même le DJ c'est un flic. Ouais, mais moi je suis pas un flic qui danse, moi. Moi je suis un flic qui fait mon boulot. Vous avez bien raison, il vous faut des gens comme vous pour stabiliser cette ville de merde. Tu vois, regarde là, la psy il a pété. Je vais vérifier en face aussi. Oui, bonjour, c'est les vraies zones ici, attention. De toute façon, il y a personne d'accès ici. Vous pouvez ouvrir le coffre? Allez-y, j'ai pas le droit de le faire. Non, je vous autorise, monsieur l'agent. Allez-y. Regardez, hein, que des affaires. Ok, super. Merci beaucoup. C'était bon. Ah voilà, comme ça c'est mieux, monsieur les agents. Parce qu'il faut savoir que nous, voilà, on a une clientèle qui est un peu, voilà. Et ouais, allô. On voit des flics à l'intérieur. On cherche, je suis avec Seamus, et 95, on rentre au commissariat. Ok, ben là j'ai fini, là, il est pas dedans le petit. De chat, okay, super. Moi j'aime vraiment les choses qui rend la femme mignonne, quoi. Où j'ai acheté ma chips au Japon. J'ai toutes les couleurs, j'ai du vert, du orange. Ah oui, vous rentrez chez les gens comme ça, il y a un truc dans le bus. T'as vu? Et c'est plein d'appart. Y'a un mec à poil. Pour de vrai? Mais non, c'est fou. Mais attendez, c'est bizarre, hein. J'ai dit y'a un mec à poil, vous avez couru dans la chambre. Eh, ambiance bizarre. Malcolm, t'es bizarre, hein. Pourquoi? J'ai dit y'a un mec à poil, t'es rentré direct dans la chambre, hein. Ah ouais, je voulais voir. Y'a encore 200 joueurs! Ok. C'est quoi ton objectif dans la vie? Mon objectif? Non. Elle est pas belle. En plus, c'était ta mère, je crois. La mère de qui? La tienne. Moi? Ah ouais, là, ambiance école primaire, on se drague en s'insultant, d'accord, ça marche. On se drague en s'insultant. Numéro d'un des mécanos qui est venu au PDP du coup. Je sais quoi, la prochaine étape? Tu vas me mettre un coup de pied? Affirmatif, j'ai le numéro. Nickel, est-ce que vous pouvez me le donner ou me l'envoyer pas? Oui, pas de soucis, je t'envoie. Elle va mettre des coups de pied bientôt. De quoi? Non, rien. Laisse, il est là, quand il est fatigué comme ça, là il va sortir tout et n'importe quoi, vraiment. Regarde, mais là, pourquoi il est fatigué, franchement? Parce que je me suis levé tôt. Je me suis levé tôt. Tu dors pas ou pas si c'est levé tôt? Je me suis levé tôt. Et j'ai pas fait de sieste. Normalement, je fais une sieste avant de prendre mon service. Merci. Ça me permet d'être sérieux et concentré. Mais vraiment, t'as vraiment pas envie qu'il fasse de sieste. Pourquoi? Parce qu'après, il est sérieux, il va tout niquer et voilà. Lui, sérieux?
Hier, il avait pas dormi ou il était sérieux? Hier, j'avais pas dormi. ah ouais, ok. Mais attends, mais vous avez pas dormi depuis combien de temps là, Riz? Mais non, mais j'ai dormi. Mais en gros, je... Mais pas assez pour votre corps. Exactement, je me suis réveillé trop tôt. Là, vous avez le cerveau en l'air vert là. Ouais, ouais, exactement. Vous avez un singe qui tape des timbales dans votre cerveau là. Non, calme-toi. Mais quoi? Bah, à ce point, genre juste. Après, vous savez, ça arrive à tout le monde d'être con, hein. Moi, je suis l'inverse de lui. Quand je suis fatigué, je suis. T'es pas, chiant? Fatigué. Ouais. T'es aigri? Là, je suis fatigué là. T'es répugnant? Ouais. T'es une pustule. Oh putain, poupette. J'allais dire un truc de fou là. T'allais dire quoi? J'allais dire abuse pas, sale pute. Il savait gérer de doser en fait. 113 pour poupette, vous me recevez? Oh putain. Poupette doit être sur la radio MCD. C'est quoi le numéro? 322. 113 pour poupette, vous me recevez? Ben je cherche poupette. Et c'est la radio de quoi là exactement? C'est quoi la MCD? C'est 22. La radio MCD c'est 22. Hein. Non, c'est 322. Mais non, c'est 22. Mais non, c'est... je suis en train de parler avec eux, bordel. T'es sûr que t'es en train de parler avec des agents? Oui, je suis en train de parler avec eux. Oh. Comment on fait pour devenir de la MCD? Bah, vous déjà être officiel. Ta gueule, je parle pas à toi, je parle radio. T'as dit. Ok, mauvais rapport. Hop. Mon bloc note. Il faut d'abord que je sois officier? D'accord. Et c'est bien chez vous? On se verra si tu veux après, c'est 92 qui te parle là. Ouais? Tu veux avoir des infos en plus. D'accord, ça marche, merci. Au revoir. Oh, mais elle est chiante celle-là, hein? On va à la MCD après? Ouais, de ouf, hein, poupette, elle est grave chiante, je suis d'accord. Non, toi? Ouais, poupette, mais ouais. Je sais pas, ça va, salon, il y a quoi comme. Oh, il a fait un AVC. Attends, mais il y a quoi comme. Service. Comme service, ouais, différent. Ah, bon, on saura jamais, je crois. T'as vu, t'abuses? Ça allait s'ouvrir là, hein? Ah, bah justement, j'étais pas sûr de si ça allait s'ouvrir ou pas. Mais frérot, il y a encore 200 personnes, mais je sais pas où elles sont. Non, je te jure que dans le nord. Non. Dans le nord, frère, il y a au moins 4 gangs et 2 orgas et des keufs. C'est ça? Ben, j'ai lu les rapports. Mais tout à l'heure, t'as dit que tu savais rien. Oui, mais je sais pas où. Je sais pas où parce que justement, je veux pas trop me spoil. Tu pars quand? Tu pars jeudi? Ouais, le 15. Frère, ça va trop me faire du bien. Moi, j'ai envie d'être en civil. Il faut qu'on intègre un truc en civil. Genre infiltration? Ouais. J'examine, j'assassine tous les faux qui parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai les crocs, ils veulent ma peau, mais n'ont pas eu les couilles de chasser.